On va bientôt commencer. Si vous pouvez prendre une place et puis voilà. Merci. Il reste encore. Il y a des personnes derrière qui n'ont pas de place, n'hésitez pas à vous rapprocher. Ça marche bien, ouais, vous entendez? Top, top. Est-ce que ça va mieux maintenant? Top. 1, 2, 3, 4. Top, top. 1, 3, 1, 2. Top, top. Bon, alors on va commencer. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Bonsoir. Donc, ce meeting, il est transmis en direct sur la chaîne Facebook et YouTube de Solidarité Genève, comme ça vous savez. Et donc, il peut être aussi revisionné, réécouté après coup. Donc, ce meeting avec Philippe Poutou, il est organisé par Solidarité, par la Jeunesse Solidaire, qui est le groupe jeune de Solidarité, et par le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, auquel Philippe Poutou fait partie. On a intitulé ce meeting « L'urgence anticapitaliste et révolutionnaire » parce que le système actuel, en plus d'être extrêmement inégalitaire, est aussi très instable et totalement absurde d'un point de vue du bien commun. Les nombreuses crises du système qui s'enchaînent et se multiplient depuis des années, qui vont prendre des nouvelles dimensions si la voie actuelle est poursuivie, révèle entre autres deux facteurs fondamentaux de nos sociétés niés par ce système. L'impasse de la logique du court terme et, deuxième point, notre interdépendance les unes aux autres, ainsi qu'avec les autres espèces vivantes et avec notre environnement plus généralement. Ces deux considérations essentielles à notre existence entrent en totale contradiction avec le système capitaliste et avec les différents systèmes de domination entrecroisés. Et cette contradiction se manifeste toujours plus dans les crises que ce système engendre. C'est dans ce contexte d'urgence anticapitaliste que Solidarité lutte sur différents fronts et avec différents modes d'action, en cherchant tant à renforcer les ponts entre les luttes, comme les interventions des militantes et militants de différents collectifs et de mouvements sociaux vont le montrer, qu'à créer aussi des liens dans une perspective internationaliste, notamment avec le NPA, et c'est tout le sens de cette invitation et de cette conférence, car notre interdépendance, elle ne se limite évidemment pas aux frontières nationales. C'est le cas avec la crise sanitaire actuelle, qui a été utilisée par les gouvernements pour exalter le nationalisme et pour se barricader, au contraire de se coordonner et de s'entraider au niveau international. Aujourd'hui, la situation elle est dramatique à cause du refus des pays riches de lever les brevets sur les vaccins contre le Covid pour préserver les profits des grandes entreprises pharmaceutiques, qui entraînent un nombre incroyable de morts et de mortes dans les pays du Sud essentiellement. Donc il faut urgemment lever les brevets sur les médicaments et les vaccins, et garantir un accès à une santé de qualité pour toutes et tous, et mettre fin aux profits sur la santé afin d'aller vers une société solidaire. Des mobilisations sont prévues à l'échelle internationale, notamment le 30 novembre à Genève, sur cette question. Sur un autre front de lutte brûlant, les médias sont omnibilés par la COP26 de Glasgow. Y aura-t-il des avancées? Va-t-on déclarer pour la 26e fois l'urgence climatique, comme se demandait avec humour un dessinateur de presse?
Pendant que certains croient encore au Père Noël, les mouvements pour le climat et le réseau écosocialiste, dont Solidarité joue un rôle principal, organisent une manifestation ce samedi 6 novembre à 13h30 à Lausanne pour une écologie populaire et un forum écosocialiste à Zurich ce dimanche, car il est temps d'enterrer l'ère du fossile et avec lui du capitalisme et travailler une transition écologique ambitieuse et socialement juste. Je vais passer la parole à Jocelyne qui va aussi introduire et aider à modérer cette discussion qui fera le lien avec les autres perspectives et enjeux internationalistes de ce débat. Oui, aujourd'hui nous avons voulu créer un espace de discussion et de réflexion collective, un moment où toutes les luttes peuvent aujourd'hui être présentées, discutées et finalement pouvoir être reliées les unes aux autres. Nous avons prévu un certain nombre de présentations de différents moments forts de l'actualité politique et syndicale à Genève, de même que nous avons invité Philippe Poutou à venir parler d'un certain nombre de choses. Ce que je voulais mettre aujourd'hui en évidence, c'est d'autres choses qui sont beaucoup plus larvées, qui sont généralement reléguées au second plan, alors qu'elles constituent un élément important de la réalité politique et économique de notre canton. C'est la croissance des inégalités, l'augmentation de la pauvreté et de la précarité. J'aurais voulu juste rappeler ce soir que selon les statistiques fédérales, 8,7% des personnes en Suisse sont considérées comme étant au seuil de la pauvreté. Or, lorsqu'on regarde le montant de ce fameux seuil de la pauvreté, il faut savoir qu'il se situe bien en deçà du minimum vital qui est aujourd'hui octroyé au titre de l'aide sociale. Ce qui veut dire que ce pourcentage de 8,7%, il est bien supérieur à ce qu'on veut bien nous dire. Et qu'aujourd'hui, il est absolument important de lutter d'une part contre la pauvreté et la précarité, contre les inégalités, mais qu'il faut, et nous le faisons à différents moments de nos activités politiques, nous battre pour une meilleure répartition des richesses, nous battre pour de meilleures conditions de travail et surtout pour une autre qualité de vie. Et c'est ce que vont essayer de démontrer au travers des luttes qu'ils incarnent les collègues qui vont s'adresser à vous maintenant. Il y a également le scandale de la politique d'asile de la Suisse, mais qui n'est finalement pas si isolé que ça, malheureusement, dans cette forteresse qui est devenue l'Europe, qui délègue à un certain nombre de gouvernements, moyennant monnaie sonnante et trébuchante, le triste rôle de devoir ériger des barrières aux frontières de l'Europe et de développer des politiques de dissuasion qui sont simplement un déni d'humanité, un déni du devoir d'hospitalité et finalement un déni de la politique d'asile qui devrait pourtant être développée ici et ailleurs. Et de rappeler aussi que si un certain nombre de gens sont contraints de prendre les routes de l'exil, c'est aussi à cause des politiques économiques que développent les multinationales et notamment un certain nombre d'acteurs politiques et économiques en Suisse, et que nous devons sans cesse dénoncer ces éléments-là et cesser de croire que le problème de l'asile, c'est quelque chose qui concerne les autres. C'est en grande partie nos gouvernements qui sont à l'origine de ces mouvements de population et que nous devons les dénoncer et nous devons imprimer une pression pour que cela cesse. Je ne vais pas m'apesantir parce que je pense que nous partageons un certain nombre d'opinions sur ces questions. Je vais simplement annoncer que la CEAE, le syndicat étudiant, va nous présenter une lutte qui est actuellement en train de se dérouler à l'Université de Genève. Nous avons une personne ici, c'est Ténora, qui va venir vous présenter cet élément-là. Et ensuite, nous introduirons les autres prises de parole. Bonsoir. Est-ce que ça va si je parle comme ça? Super. Du coup, comme on a été très gentiment introduit et comme vous le savez peut-être, on est en train en ce moment et depuis mardi 10h30 d'occuper une cafétéria à l'Université de Genève à Unimail. Pourquoi? Pour différentes raisons. Entre autres parce que la précarité alimentaire est aussi une affaire universitaire
et que particulièrement depuis le Covid, la précarité des étudiants et étudiantes, et d'autant plus la précarité alimentaire, n'a fait qu'augmenter. On a vu en début de cette année que les demandes de bourse ont augmenté de plus de 30%, ce qui est un chiffre énorme, et il n'y a aucune réponse, ou en tout cas très peu satisfaisante, de l'université par rapport à ça. La FARS, qui est une épicerie gratuite organisée par des étudiants et étudiantes des hautes écoles, et gérée uniquement bénévolement, à plus de 1200 personnes inscrites dans son épicerie qui demandent en fait, qui ont besoin de ces colis alimentaires gratuits. Ils ont dû arrêter les inscriptions parce qu'il y avait trop de personnes inscrites et ne peuvent que fournir 330 colis par semaine, ce qui est déjà énorme. Et du coup, on voit que ce besoin est tellement pressant et qu'il n'y a aucune réponse qui est apportée en fait par le rectorat, par les différentes administrations. Et c'est pourquoi en mai de l'année dernière, la CUE, du coup, le syndicat étudiant, avait demandé des repas à 3 francs pour toutes et tous dans les cafétérias et l'avait obtenu pour les étudiants et étudiantes. Et le rectorat n'avait accepté que ça dure que pour les 2 mois de mai et juin, ce qui est quand même vachement peu parce que jusqu'à preuve du contraire, la crise ne s'est pas arrêtée et notre précarité non plus. Et elle ne fait que continuer et le rectorat n'a apporté aucune réponse par rapport à ce besoin. Et c'est pourquoi on a commencé par instaurer un dialogue avec le rectorat et les autorités qui n'a pas du tout été concluant. Pour rappel, du coup, après ces 2 mois de repas à 3 francs qu'on avait obtenus, le PS avait fait voter une motion au Grand Conseil qui avait été acceptée pour le financement étatique de ces repas à 3 francs qui avait été... Par la suite, refusé par le Conseil d'État, il avait refusé d'entrer en matière. Depuis, on ne fait que d'essayer de négocier avec ces différentes autorités sans aucun succès. C'est pourquoi on a commencé par faire différentes bouffes pop ces 2 dernières semaines, du coup des repas prix libre devant l'université du Nîmes. Il y a eu tout d'abord plus de 200 personnes qui sont venues, après plus de 300 personnes qui sont venues, des personnes qui nous ont dit que sans nous, elles n'auraient pas mangé à midi, des personnes aussi qui ont les bourses et qui devraient pouvoir manger parce qu'elles sont déjà précaires de base, mais qui, en fait, même avec les bourses, ne peuvent pas se payer des repas abordables et de qualité. Et malgré ça, et avec tout le paternalisme que le rectorat a pu nous dire, car il trouvait que c'était une très bonne idée, et qu'en fait, à la base, ça ne devrait pas être nous qui devrions nourrir les étudiants et étudiantes, mais on a décidé de durcir le ton parce que rien ne marche, et qu'essayer de faire juste des bouffes pop, ça ne suffit pas. Et du coup, depuis mardi 10h30, on en occupe une cafétéria, on fait des bouffes pop tous les jours à midi et on s'organise de manière chouette. Et du coup, bonjour, on m'entend? Ouais. Alors du coup mardi matin on a occupé l'Uni, donc là on y est, là en ce moment même il y a déjà une vingtaine d'étudiants qui sont en ce moment en train d'occuper les lieux, qui vont dormir ce soir, donc ça veut dire qu'on fait un appel aussi à la mobilisation, ça veut dire que si vous avez un duvet, si vous avez un tapis de sol, venez avec nous ce soir, voilà, welcome. Alors, faut savoir que l'alimentation, comme l'a dit Nora juste avant, l'alimentation c'est un facteur de la précarité, aujourd'hui il y a trop d'étudiants qui ont le problème, de budget. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un menu à la cafette, ça dépasse pas moins de 10 francs. Voilà. Donc 10 francs, là, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on demande 3 francs. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Hop. Comment on s'organise? Alors, du coup, on s'organise, on fait des plénières, ça veut dire qu'on discute tous ensemble. On a ce mouvement d'autogestion. Donc là, comment on s'est géré? On a fait de la récup, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans les poubelles des légumes, des fruits, donc pour savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner le lendemain. C'est un peu ça aussi, essayer de vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On achète tout ce qui est les féculents pour le lendemain. On essaie de faire des repas. On essaie de faire des repas qui sont vegan, qui sont sans exploitation animale, aussi convergence des luttes. Voilà. On se rapproprie l'espace. Il faut savoir que là, du coup, ça fait déjà 2 nuits qu'on a dormi à la cafette. Donc voilà, il faisait un peu froid, voilà. Rejoignez-nous, je sais plus quoi dire.
Du coup, comme le disait mon camarade, on fonctionne en autogestion et dans cette vision-là, on demande aussi, c'est une de nos revendications en plus des repas à 3 francs tout de suite pour tout le monde et pour toujours, on demande un système de cafétéria autogéré et qui ne soit pas comme le système capitaliste en entreprise privée actuelle où des travailleuses se font largement exploiter. Et du coup, c'est une de nos revendications en plus d'un soutien financier à la FARS, du coup, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'épicerie gratuite et participante de l'UNIJ, et une semaine de révision pour Touxte. Du coup, ça, ce sont nos 4 revendications avec les repas à 3 francs. Concrètement, là, on a besoin de monde, on a besoin de personnes qui viennent nous aider à couper des légumes le matin, qui viennent nous aider à faire des récups, qui viennent en plénière aussi discuter. On a besoin de toutes les personnes, pas du tout forcément étudiantes, qui viennent donner un coup de main, être juste là, être présente, occuper l'espace avec nous, apporter ses idées, proposer des activités, venir boire un verre. D'ailleurs, vous êtes cordialement invités à venir boire un verre après. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que je n'ai pas énormément de temps, mais si jamais aussi un prochain deadline, samedi à 15h30, on a une grande réunion à laquelle vous êtes tous conviés, durant laquelle on va définir un peu nos prochaines stratégies et prochaines grandes lignes de ce mouvement et comment on a envie de continuer à occuper cet espace. On aura des flyers à la sortie sur lesquels il y a un QR code que vous pouvez scanner et qui vous donne accès à un groupe WhatsApp dans lequel on s'organise. Voilà, venez, participez, parlez-en autour de vous, venez et mobilisez-vous avec nous. On sera ravis de vous accueillir et discuter avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci aux camarades de la CUE. Je vais passer maintenant la parole à Henriette Stäbler, qui a participé de manière particulièrement active à une lutte très significative sur la problématique du logement, la lutte de la cité Léopard. Elle va nous présenter son engagement et ce qu'ont obtenu les locataires qui se sont mobilisés dans cette lutte. Si tu veux bien venir ici. Bonsoir, c'est de ce quartier-là que je vais vous parler. Dans les années 50, un patron avec des régies a construit une dizaine de petites maisons pour loger ses ouvriers, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train donc de les démolir en ce moment, enfin pas maintenant, mais tous les jours, et ça s'appelait à l'époque des cités ouvrières. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu un projet, un nouveau projet immobilier. Vous m'entendez, ça va ? Non, c'est bon. Merci. Ce projet-là est en train d'être démoli à peu près, donc après de plus de 60 ans. Simplement, c'était tous des ouvriers qui vivaient là-dedans. Et les régies, les autorités, bien sûr, n'ont rien fait quand on leur a envoyé leur avis d'expulsion. C'était des gens précaires, mais beaucoup quand même d'ouvriers qualifiés qui travaillaient dans le bâtiment. On nous a appelés pour s'organiser, pour faire quelque chose. On est intervenu à la commune, personne ne bougeait, parce que reloger 200 personnes à Genève, c'est un peu de la folie. C'est une horreur à Genève, parce qu'il n'y a rien. Et en plus, les ouvriers qui vivaient là avaient leur appartement entre 800 et 1200 francs. Donc, on s'est lancé dans cette lutte avec Silur, c'est une organisation anarchiste de Genève. On a participé avec Solidarité, l'association des habitants de Carougest. On a fait une assemblée générale, on a convoqué tout le monde, toutes les régies qui avaient malmené, qui avaient harcelé les locataires en leur envoyant chaque mois des lettres, en leur disant « vous occupez illicitement, mais vous payez votre loyer ». Il y a eu des représailles, il y a eu des menaces. On a fait une assemblée avec les autorités, avec les régies, avec les partis politiques et avec toutes les associations. On a fait une convention en disant on est là aujourd'hui, au mois de juillet. Il y a 200 personnes qui vivent là-dedans. On ne partira pas, tout pendant qu'il y a une seule personne qui n'a pas été relogée. On ne partira pas. Ce qu'on a besoin, c'est que vous votiez cette résolution. On ne va pas fouiller qu'il y a les papiers ou non. De toute façon, on a tous trop de papiers. On s'en fout. On veut que vous les relogiez sans distinction de nationalité, de papier ou d'ancienneté. Vous faites votre boulot.
et la commune, les autorités et les partis politiques et la SLOCA et l'association des habitants et Silur, avec bien sûr les habitants, parce que c'est Rosa, la première, une habitante, qui a appelé les journalistes pour venir nous aider. Nous en avons une aussi ici, Marielle Budry, qui est une journaliste poète qui a relayé toutes les luttes pendant ce temps-là. Elle a écrit, et il y a ses écrits qui sont sur la table là-bas. Après une année et demie, on a demandé un local. On veut une permanence. Tous les jeudis, on sera là, de 5h jusqu'à 10h le soir. Sur place, tous les locataires pourront passer. Ils pourront compléter leur dossier. On apporte à boire, à manger, on raconte nos vies, où en est ton dossier. Il y en a une, elle a dit, ça fait 60 appartements que je vais voir. Donc, on a fait ouvrir un de ces appartements-là, et tous les jeudis, pendant une année et demie, de 5h à 10h, on était là. Un avocat de la Souva, Silur, Solidarité, l'association de Carougeste. Et tous les locataires passaient tous les jours pour dire, voilà, il manque une feuille, où ça en est, est-ce que la régie municipale, la fondation immobilière de la ville de Carouge, a trouvé un appartement. Parce qu'on a aussi demandé à la principale régie, la fondation immobilière de la ville de Carouge, de reloger, sinon on restait là. Ils ne pouvaient pas construire leur nouveau projet puis faire du fric. Donc, au bout d'une année et demie, on a vu, il y a à peu près un mois, le dernier locataire partir. Et on a relogé 200 personnes en une année et demie. Grâce à quoi ? Mais il y a un truc qui a joué, tactiquement. Bien sûr, on a gueulé contre les régies, c'est des vrais rats, des spéculateurs et tout, mais on les a invités à s'engager. Et ce qu'a fait les régies, ce qu'a fait les autorités en disant, vous avez voté cette résolution, vous voulez construire du mieux, on est bien d'accord, il n'y a pas beaucoup de confort, mais on a besoin de vous, parce que ce n'est pas nous qu'on peut reloger, il n'y a pas d'appartement à Genève, c'est très difficile. Donc on leur a dit, maintenant c'est vous. Et ce qu'on a fait aussi pour gagner, c'est que tous les mois, quand le conseil municipal siégeait, on allait leur dire, voilà, on était 160, on a encore 140, on a encore 120, on a encore 80, parce qu'il y en a qui commencent à gueuler, ouais, mais il n'y en a que pour la cité Léopard, ce qui était vrai, mais on leur donnait des nouvelles chaque mois. On leur disait, voilà, il faut continuer à nous soutenir, on ne partira pas. Et c'est comme ça qu'il faut faire, avoir un local, une permanence où tout le monde peut passer, un avocat qui connaît les lois et puis qui aide à faire les dossiers, parce qu'il y avait beaucoup de Portugais, Italiens, Espagnols et de travailleurs étrangers. Donc c'est en se mettant tous ensemble, et non pas les uns contre les autres, toi t'as fait ça, non on s'en fout, maintenant on est là, vous votez cette résolution et vous nous aidez, et ça a marché, voilà. On va passer la parole à Françoise Niffeler de la Grève Féministe. Ouais, c'est une immense histoire, mais je vais faire court, je te promets. Je ne vais pas vous expliquer. La Grève Féministe, c'est 2019 qu'elle est apparue vraiment, donc dans un mouvement de mobilisation historique pour la Suisse. Jamais en Suisse, on avait vu de telles mobilisations au niveau national. Nous avions commencé en juin 2018 avec à l'appel des syndicats, parce que c'est parti sur la question de l'égalité salariale, qui n'est toujours pas évidemment acquise, ni en Suisse, ni ailleurs d'ailleurs. Et nous avions commencé à travailler ensemble sur cette idée d'organiser une grève féministe. Et nous l'avons organisée pour le 14 juin, parce que c'était 10 ans plus tôt, ou un peu plus d'ailleurs, en 91, on avait fait déjà une manifestation et une grève féministe à ce moment-là. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui avaient bougé depuis, et on a décidé de repartir. On a mis une année de travail de terrain, d'aller dans les quartiers,
de mobiliser toutes les associations. Évidemment, nous avons créé un collectif de la grève féministe. Nous l'avons créé au niveau cantonal, au niveau roman, donc francophone, et au niveau national un peu. Mais il y avait quand même des cantons suisse-allemands qui ont rejoint à ce moment-là. Donc je vous dis ça, ça c'est en 2019. Aujourd'hui, nous sommes organisés au niveau national et nous avons grandi plutôt que diminué après ce grand mouvement, comme certains nous pouvaient nous le prédire. Alors, cette organisation qui a mis une année à se préparer a surpris beaucoup, beaucoup de monde, sauf peut-être les féministes convaincus qui sentaient que c'était bien, bien quelque chose qui commençait à agiter. La colère, hein, la colère, elle était gigantesque et elle est toujours. On en a ras-le-bol, ras-le-bol. Un demi-million de personnes étaient dans la rue ce jour-là, dans toute la Suisse. Une grève féministe nationale a été décrétée, ce qui était quand même historique pour notre pays. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement en mixité choisie, comme on dit, donc sans les hommes cis, eh bien, ce mouvement s'est constitué sur un principe d'autonomie, sur un principe de débat démocratique, d'horizontalité très important, et a remis en question la hiérarchie traditionnelle, notamment qui existe dans certains courants, même de la gauche. Bravo ! Ce mouvement social est fondamental parce qu'il a permis de visibiliser et continue de permettre de visibiliser les luttes et de rendre collectif ces luttes. Ça a permis de montrer aussi la force des revendications que nous avions mises dans un manifeste avec 19 revendications qu'on avait déterminées au niveau roman et lors d'assises nationales. Et puis, nous avons également permis dans ce mouvement de rassembler des personnes qui, au cours des mois, se sont politisées, ont compris qu'elles n'étaient pas seules, ont compris qu'ensemble, on avait des possibilités et qu'on pouvait exprimer cette colère et revendiquer ensemble. C'est très important de sentir cette force incroyable quand nous étions, comme on n'avait jamais vu, un nombre de personnes dans la rue, comme ça s'était jamais vu. Il y a eu un sentiment de force qui était indéniable et qui en a imposé à tous ceux qui nous prédisaient que ça n'allait pas marcher ou alors qu'on était des diviseuses du mouvement ouvrier, hein. Ce n'était pas le cas. Visiblement, le mouvement ouvrier est venu, les syndicats étaient avec nous et nous avons pu ainsi élargir notre mouvement. À Genève, en Suisse, c'est riche, mais le Covid a montré combien les femmes particulièrement et les personnes LGBTIQ étaient discriminées. Les longues queues qu'on a vues, qui ont fait honte à tout le monde, parce qu'il y en a qui ne savaient pas que la précarité existait. La précarité, elle s'est vue à ce moment-là. Mais dans ces longues queues, cette précarité, c'était en grande majorité des femmes et avec des enfants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le mouvement féministe, il doit travailler là-dessus et il travaille là-dessus. Nous avons maintenant aussi instauré, je dirais, des nouvelles formes de lutte. Ce mouvement féministe, d'ailleurs, qui n'est pas propre à Genève ni à la Suisse, il est propre en ce moment au monde entier. Et ce mouvement féministe, il instaure des nouvelles formes de lutte. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, on sent une colère, on sent une force, une détermination, mais on sent aussi une joie, ce qui n'a pas toujours été forcément le cas. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec des groupes de travail. Nous avons un groupe de travail parce qu'en Suisse, on est en train d'attaquer l'AVS et de vouloir rallonger l'âge de la retraite, de faire travailler les femmes une année de plus. Ils osent,
alors que les salaires sont encore inférieurs, alors qu'on subit tant de discriminations, alors que la violence n'est pas combattue. Et non, ils veulent nous faire travailler encore plus, mais ça, on ne le laissera pas passer et nous sommes sur le pont. Il y a... Oui, je vais finir. Ce que je trouve extrêmement important aujourd'hui, ce sont toutes ces luttes également. Nous avons malheureusement, la semaine passée, appris encore un décès, encore un féminicide a eu lieu à Genève. Encore un féminicide, je l'ai appris ce matin, alors que l'employé de ce riche médecin avait déposé plainte pour attentat, pour... Oui, pour tentative de viol. Et donc ce médecin a été repéré, de nombreuses fois la police était intervenue, et pourtant cette femme s'est fait assassiner. La femme de ce monsieur s'est fait assassiner la semaine passée. On n'a rien fait pour la protéger. Ça suffit, ça continue. 3 mois avant, c'était dans un quartier populaire cette fois, et nous avons des féminicides, nous avons des violences en permanence. Donc nous avons également un travail à faire avec les migrantes. Le collectif de la grève féministe est très heureux parce que depuis sa création, nous avons de plus en plus intégrer des migrantes qui sont partie prenante de ce mouvement et qui travaillent avec nous sur aussi les questions spécifiques des migrantes. C'est important aussi parce que tout ce travail que nous avons fait a remis en question beaucoup de choses. On parle aujourd'hui du féminisme de façon différente, avec un peu plus de respect. C'est vrai, on en parle beaucoup plus. Et puis, ça a remis en question aussi des façons de fonctionner, notamment aussi dans les syndicats, aussi dans les organisations même de gauche et même de la gauche radicale. Et ça, c'est important. Nous sommes partout et nous ne ferons pas des changements fondamentaux de société sans qu'elles soient féministes. Juste 2 secondes pour introduire la prochaine intervenante, qui est Fanny Girardet, qui va venir nous parler du mouvement pour la grève pour le climat. Simplement vous dire que nous sommes navrés, nous devons condenser les interventions parce que nous étions relativement ambitieux en voulant aborder un certain nombre de thématiques, mais il nous semblait important de les mettre en évidence, les mettre en lumière et de pouvoir aussi ouvrir une discussion avec Philippe sur ces questions. Donc vous allez être frustrés, mais si vous êtes intéressés, alors n'hésitez pas à revenir la prochaine fois qu'on organisera des débats sur ces questions. Bonsoir, vous m'entendez? Non? Lui? Okay. Du coup, je vais essayer de faire bref. Je suis un peu intimidée de parler après toutes ces oratrices et orateurs très éloquents et éloquentes. Merci pour toutes les interventions. Du coup, je suis là pour vous présenter la grève du climat Genève en 4 minutes. Du coup, on est une section de la grève du climat suisse qui a été créée en 2018 suite à l'appel de Greta Thunberg lors des manifestations étudiantes. Je peux lever un peu. Entre autres, on organise des manifestations. La dernière en date, c'était le 22 octobre. C'était notre 10e manifestation avec la première qui a eu lieu en janvier 2019, avec les revendications suivantes, la justice climatique, l'arrêt des financements à l'industrie fossile et une transition rapide, solidaire et juste, qui a été organisée et soutenue d'ailleurs par plusieurs collectifs, dont Solidarité. Ah, pardon, c'est bon ? Désolée. On a aussi beaucoup collaboré avec des artistes cette fois, du coup c'était super. On s'est aussi rendu compte assez vite que ça pourrait pas être un mouvement
large si on se résignait à faire que avec des étudiants et étudiantes. Donc, dès les premières manifestations à Genève, on a fait des rencontres avec des syndicats qui ont finalement débouché avec la grève pour l'avenir, il y a 2 ans. Donc la nécessité justement d'agir ensemble pour une justice climatique et sociale et la Grève pour l'avenir qui est une coalition d'une diversité de collectifs, des syndicats, des partis, des associations, des organisations, etc. Donc d'une manière générale, vous l'aurez compris, la Grève du climat se positionne dans une logique anticapitaliste avec une nécessité de repenser notre modèle politico-économique, de repenser notre manière de consommer, évidemment pas de greenwashing, on ne croit pas au capitalisme vert. Où les voitures électriques, les compensations carbone, les énergies renouvelables sauveraient le monde. Donc on dénonce aussi la manière dont les politiques prennent en charge la question climatique, et on pense que c'est nécessaire d'ailleurs de laisser davantage la place au peuple dans les prises de décision. On critique aussi plus largement la responsabilité de la Suisse et des pays riches vis-à-vis notamment des pays du Sud global, parce que c'est ceux qui ont le moins contribué à cette crise et pourtant qui font face majoritairement aux conséquences. Et dans toutes nos hypocrisies, on continue à refuser le statut de réfugié climatique. On est aussi évidemment pour une diversité des tactiques et des modes d'action, parce que c'est sûr que les manifs, ça ne suffira pas à changer le modèle actuel. On pense que la convergence des luttes, c'est plus que nécessaire, et c'est pour ça que c'est aussi super d'être là tous ensemble aujourd'hui. Donc on veut, si on veut construire un monde juste, on essaie de soutenir au maximum les luttes syndicales, féministes, antiracistes, LGBTQIA+, antispécistes et contre toutes les autres formes d'oppression. Depuis 2018, on a organisé plusieurs projets, notamment une assemblée populaire, des conférences, des actions des obéissances civiles visant la place financière à Genève, des mobilisations contre le Black Friday, etc. Le 24 septembre dernier, je ne sais pas si vous étiez là, mais on a fait pour la grève internationale pour le climat, on a fait une fresque participative à Bel Air, donc pour dénoncer de nouveau la responsabilité de la Suisse et particulièrement de Genève, qui abrite certains des pires responsables de la crise climatique, avec les négoces de pétrole comme Trafigura, Glencore, Gunvor, Vittol, Mercuria, ou des banques comme Crédit Suisse, UBS et plein d'autres. Donc voilà, actuellement, on soutient les syndicats et la grève féministe qui se mobilisent contre la réforme AVS21, donc qui va entre autres augmenter l'âge de la retraite des femmes et augmenter la TVA, et on essaie de montrer les liens entre cette réforme et le climat. Donc, par exemple, on souhaite, à l'inverse de ce que la réforme prévoit, renforcer l'AVS, parce qu'en plus d'être juste et solidaire, c'est durable, parce que les rentes sont financées par les travailleurs et les travailleuses par des cotisations et pas des investissements dans les énergies fossiles comme pour les caisses de pension. Et évidemment, on dénonce cette augmentation de l'âge de la retraite qui, en plus d'être complètement injuste, s'inscrit encore et toujours dans une logique du « toujours plus ». Donc, comme on en a déjà parlé, il y a une manifestation samedi à Lausanne à laquelle on vous invite à participer pour une écologie populaire, parce que parce que il y a la COP26 qui a lieu et qu'on en a marre de croire encore et toujours aux promesses vides des gouvernements et qu'il est temps de s'organiser. On vous invite à venir à 13h30 à la place de la gare. Il y aura place de la gare à Lausanne et il y aura des conférences, des discussions, des projections après et samedi 7 à Zurich aussi, du coup avec le forum éco-socialiste, donc pour renforcer et élargir le mouvement pour une écologie sociale et radicale. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Maintenant, on va parler des luttes syndicales. Il y aura Jashmid pour Empire qui va parler du SSP trafic aérien et des luttes à l'aéroport. Voilà, bon,
Bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire très court, mais je vais d'abord commencer par les handicaps et les obstacles qui existent dans la lutte syndicale. Je vais rapidement parler de la xénophobie. Je pense qu'il y a beaucoup de camarades français ici dans la salle. La première arme des patrons, c'est la xénophobie, c'est la division entre les travailleuses et les travailleurs, les frontaliers contre les Suisses contre les autres, etc. C'est vraiment un thème extrêmement important à Genève, et on a notamment un parti xénophobe qui a fait son beurre sur la xénophobie pour diviser les employés, les ouvriers entre eux. Deuxième obstacle. Deuxième difficulté que nous avons, le meilleur allié du patronat, c'est la précarité. Le patronat crée la précarité pour ensuite en profiter afin de diminuer l'envie de lutte syndicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, nous avons trois catégories de salariés. Les ADECO, enfin les intérimaires. Ensuite, nous avons des auxiliaires qui sont payés à l'heure. Ils sont payés seulement quand ils travaillent et puis leurs horaires sont très fluctuants. Et puis les fixes. Donc on crée finalement des antichambres avant d'accéder au statut ô combien enviable de travailleur normal, fixe, qui peut bosser à plein temps et gagner péniblement sa vie. Donc la lutte des travailleuses et travailleurs de Swissport s'est située dans ce contexte, avec cette particularité qui s'appelle la crise du Covid. Comme on le sait tous, que ça a énormément perturbé les relations sociales. C'est un contexte très défavorable aussi pour la mobilisation, parce que d'abord, on a envie de préserver ce qu'on a, c'est-à-dire son emploi, et puis on n'a pas trop envie de s'exposer à le perdre. Malgré ce contexte, l'arrivée d'un fonds d'investissement détenu par les États-Unis et Angleterre, ils ont racheté Swissport, qui est la plus grande entreprise de l'assistance au sol au monde, au groupe chinois H&A, qui était détenu par un... Je suis trop près ? Voilà, bon, pardon. Par un groupe chinois H&A qui dépend du gouvernement chinois, qui est détenu par l'ancien cadre du Parti communiste chinois, M. Chen Feng. Donc, ils ont racheté Swissport, et quelques mois avant le rachat de Swissport par les fonds d'investissement, tout d'un coup, l'employeur arrive avec un plan de casse sociale, mais extraordinaire, du jamais vu. J'ai vérifié avec d'autres syndicalistes, on n'a jamais vu une casse sociale de baisse de 25% des salaires et du traitement du personnel. Ensuite, il y avait beaucoup de difficultés pour l'organisation des gens. Finalement, les ouvriers et les ouvrières ont décidé de lancer un débrayage surprise. Débrayage surprise, c'est-à-dire que sans préavis de grève, l'employeur n'était pas au courant que la lutte partirait à telle heure, tel jour. Et surtout parce que nous avions des informations depuis nos camarades à Zurich que l'employeur préparait des ouvriers zurichois pour venir casser la grève des Genevois au cas où ça partirait. Donc la grève surprise a permis justement de surprendre l'employeur. Il n'a pas pu trouver des briseurs de grève. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chercher les pompiers de l'aéroport. Les pompiers de l'aéroport pour venir vider le soute. Alors, c'est extraordinaire. Les pompiers, quand il n'y a pas de feu, ils ne foutent rien. C'est normal. Et on est content qu'il y ait des pompiers qui sont professionnels, qui ont du matériel, etc., qui peuvent intervenir. Donc, ils sont allés chercher les pompiers. Ensuite, il y avait des pompiers qui n'avaient pas envie de jouer les briseurs de grève. Ils ont commencé à gueuler en disant, nous, on n'est pas contents, pourquoi on doit faire ça? En plus, ce n'est pas populaire. Hein. Les ouvriers de Swissport, ils ne vont pas apprécier ça. Donc, ça a créé aussi des remous. Finalement, ce débrayage surprise a quand même permis de faire reculer un peu le patron. Personnellement, je regrette qu'on ne l'ait pas continué parce qu'on était bien parti pour une mobilisation à plus longue durée, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir plus, mais c'est peut-être une partie remise. Mais en tout cas, la leçon de la lutte, comme j'ai dit au début, il y a énormément de handicaps, beaucoup d'obstacles dans la mobilisation des travailleurs. Il faut absolument être conscient que comment est-ce que le racisme, comment est-ce que la xénophobie, comment est-ce que la précarisation des conditions de travail dans le contexte d'un droit du travail suisse, un des plus libéraux au monde. Alors pour nos camarades français, c'est important de savoir qu'ici, nous, on n'a pas de code du travail, on n'a pas de SMIC sur le plan national, on a un salaire minimum genevois qui est récent, c'est depuis un an, mais en tout cas, le droit du travail suisse, ça fait, son volume, ça ne fait même pas un centimètre, alors qu'en France, vous avez un code du travail qui est assez protecteur. Donc,
face à une réglementation étatique qui est très faible. Bon, tu me contrediras plus tard. Mais en tout cas, nous, on envie la situation française et tout ce qui est sorti du Front populaire et de la mobilisation après la Deuxième Guerre. En tout cas, au niveau étatique, on a très peu de protection. Donc forcément, le rôle des syndicats devient encore plus important. Mais malgré les difficultés actuelles, on voit que les luttes sont possibles. Et puis, on se réjouit d'entendre peut-être d'autres propositions. Merci. Je propose précisément d'en parler. Le moment est venu de céder la parole à Philippe Poutou sur le thème de l'urgence anticapitaliste et révolutionnaire, aussi sur le sens de sa démarche en se présentant à une élection présidentielle. C'est une question qui nous intéresse particulièrement. Vous savez que pour le mouvement Solidarité, la présentation dans les exécutifs n'est absolument pas quelque chose d'automatique, de simple et sur lequel il y a unanimité chez nous. C'est chaque fois quelque chose qui pose question et je pense que c'est important que nous puissions en débattre ici ce soir. Nous vous proposerons d'ouvrir le débat sur les différentes interventions après l'intervention de Philippe, à qui je laisse la place. Salut à toutes et tous. Oh, je vois qu'on a les mêmes chansons à peu près, certainement les manifs proches. Alors c'est vrai que c'est une réunion particulière parce que, comme l'a dit la camarade précédente, en fait, je suis candidat pour le nouveau parti anticapitaliste en France pour une élection présidentielle. Alors on n'est pas aussi mauvais que ça en géographie pour pas savoir que Genève, c'est pas en France. On n'est pas aussi mauvais aussi pour savoir qu'en fait, c'est pas là qu'on va trouver des parrainages pour pouvoir être candidat officiel. Donc vous inquiétez pas, on se trompe pas. Mais c'est vrai que ça a été dit au début. En fait, on est très content d'être là parce que c'est des choses qu'on devrait faire même beaucoup plus souvent. C'est des liens qui existent entre les camarades militants par-delà les frontières. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce qu'on parle la même langue. Et donc, en fait, c'est plus facile à organiser. Mais on a intérêt à faire ça, à discuter entre nous de nos problèmes. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a à peu près exactement les mêmes problèmes. D'abord, on a les mêmes adversaires ou les mêmes ennemis. On a le même système à combattre. On est anticapitaliste des deux côtés de la frontière. Et c'est vrai que moi, je m'aperçois à travers toutes les interventions, c'est quasiment les axes de notre programme pendant la campagne. Parce qu'en fait, comme c'était dit, on participe à l'élection présidentielle, mais on n'est pas, enfin on y participe, mais bon, on est un peu embêté aussi par certains côtés, puisque d'abord on n'est pas du tout électoraliste, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que c'est les élections qui changent profondément la vie, on compte plutôt sur les mobilisations et les luttes sociales, sur les combats politiques qu'on peut mener nous par en bas, dans la rue ou dans les entreprises ou dans les quartiers, ça c'est une chose. En plus, on n'est pas du tout obsédé par la fonction présidentielle. On pense que c'est une fonction d'ailleurs particulièrement antidémocratique. Vous n'avez pas la chance, vous, d'avoir un président de la République. Vous n'avez pas la chance d'avoir un monarque qui fait un peu ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est complètement démocratique non plus en Suisse. Mais nous, en tout cas, on a des exemples plutôt déplorables, notamment la gestion de la crise sanitaire. Mais voilà, donc on ne cherche pas ça. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'idée d'un pouvoir personnel ou d'un pouvoir même pour un parti.
On est au contraire dans l'idée d'une véritable démocratie par en bas, une démocratie directe. Donc on discute, nous, du pouvoir de la population, du pouvoir du camp des travailleurs ou du camp des opprimés, à l'opposé donc du pouvoir d'un gouvernement ou tout simplement derrière un gouvernement, on le sait, hein, que ce soit en France ou ici, c'est plutôt des riches, des très riches, et donc c'est une classe dominante. Et on est opposé à tout ça. Donc en fait, voilà, on est dans une élection, un peu comme ça a été dit, on en a débattu entre nous, est-ce que c'est important d'y aller ou pas? Ben, on a conclu que malgré tout, ces problèmes-là, malgré tous ces côtés un peu inconfortables ou ces petits paradoxes par rapport à notre activité militante, en fait, ça vaut le coup d'y être pour justement faire entendre notre révolte, notre anticapitalisme, notre envie de balayer tout ça, de renverser tout ça. Et ce n'est pas parce qu'on est ultra minoritaire, ce n'est pas parce que des fois on a l'air un peu démodé qu'il faudrait se taire. Et c'est vrai que la bataille qu'on mène, et c'est une bataille de participer à des élections, rien que ça, c'est une bataille parce qu'il faut avoir le droit d'y aller. Et donc je parlais des parrainages tout à l'heure, l'élection présidentielle en France, il y a un filtre, une barrière, un truc et là, un système qui est assez bien au point quand même, même si on arrive à le contourner pour l'instant en tout cas, hein, c'est d'essayer d'éliminer quelques candidatures. Et les candidatures qui sont éliminées en général, ben, c'est celles des petits partis et notamment ben, celles des organisations à la gauche radicale, des organisations militantes. Et il faut 500 parrainages, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait 500 maires, hein, des maires dans les petites communes, notamment en France, qui décident ou qui pensent qu'on est légitime, qui pensent qu'on a raison d'être là ou qu'on est utile à un débat politique. Il faut aller les chercher, gagner ces parrainages-là pour pouvoir être candidat officiel et donc participer aux 6 semaines de campagne officielle et d'avoir un droit de parole ou un temps de parole qui est proche de celui des grosses candidatures. Et donc, on a cette bataille politique à mener. Mais donc, du coup, on a envie de s'inviter là-dedans. C'est un peu ça, d'ailleurs. Hein, c'est qu'on a l'impression, quand on y est, d'être à un endroit où ce n'était pas prévu qu'on y soit. Et parce qu'en fait, ils jouent entre eux. Et c'est tellement plus confortable entre libéraux, entre conservateurs, entre réactionnaires, entre représentants de la bourgeoisie. D'ailleurs, socialement, c'est un peu tous les mêmes. Et nous, on arrive là à perturber un petit peu ce jeu-là quand même et à montrer qu'il y a autre chose qui existe. Et c'est ça qui nous motive. Donc, ça n'a rien du tout à voir avec un aspect personnel, évidemment. Là, c'est moi, encore une fois. Il y en a qui connaissent déjà mon nom, même en Suisse, parce que j'ai déjà été candidat pour le nouveau parti anticapitaliste. Alors c'est vrai qu'on n'a pas changé, on aurait pu changer, on aurait peut-être dû changer, parce qu'on notamment on voulait que ce soit une camarade. On n'a pas réussi, mais justement, par rapport à cette question des parrainages, où on avait besoin aussi d'un nom déjà connu, d'un nom déjà un peu dans le paysage politique, donc un peu légitime, et ça nous a aidé pour pouvoir avoir confiance et se lancer là-dedans, parce qu'on n'a pas des forces grandioses, mais c'est un peu comme vous dans les organisations militantes suisses, hein, même si on sent bien qu'il y a une ambiance de résistance, une envie de se mettre en colère et puis de tout péter, mais bon, on a des forces militantes qui restent quand même limitées, donc nous, on est là-dedans. Voilà, donc j'ai fait une introduction sur cet aspect-là, parce que c'est important aussi d'expliquer pourquoi on fait ça et puis l'extrême motivation qu'on a d'être là, hein, parce qu'on a vraiment envie de les faire chier, hein, je dis ça comme ça, mais c'est un peu ça aussi, c'est le fait d'être là, oui, c'est on les emmerde en fait, parce qu'on en prend plein la gueule à longueur d'année, et comme on est une organisation politique comme vous, hein, comme la plupart ici qui militent au quotidien, le rendez-vous politique le plus important, ce serait quand même assez con de le rater. Et donc on se dit, ben voilà, autant être là et essayer de raconter des choses qui ne sont pas racontées habituellement, essayer de rendre visible ce qui est invisible. Et donc c'est un peu tout ça, et on pense, nous, que ça a une utilité, et l'utilité, au-delà de rendre un peu plus visible donc, des combats sociaux, et puis ben, même la perspective politique de changer la donne, quoi, c'est-à-dire de relever la tête, de se battre, et puis de renverser ce système-là, au-delà de ça, c'est comment on peut aussi essayer de redonner confiance. Et ça a été dit dans plusieurs interventions, c'est que c'est jamais simple, en fait. On sait bien, il y a une conscience quand même que le système capitaliste, la société aujourd'hui, est profondément injuste, profondément inégalitaire, et qu'elle est même d'une violence extraordinaire, quoi. Et plus ça va, plus c'est violent, plus c'est brutal à tous les niveaux. Hein, là, juste, j'y pense parce que je suis en Suisse, je pense à l'évasion fiscale. Mais c'est, d'ailleurs, on est un peu venu pour voir si on ne pouvait pas récupérer... On sait pas comment faire, il apparaît qu'il y a des mots de passe, enfin bon, on va voir. Le concept d'évasion fiscale, qui est un truc un peu, on ne sait pas trop si c'est légal, pas légal, enfin on sait que c'est quand même pas très honnête et que ça relève de la triche, mais de savoir ce chiffre même qu'on a du mal à retenir, hein, les 11 300 milliards,
hein, de dollars ou d'euros, d'ailleurs, je ne sais même plus, qui sont dans les circuits d'évasion fiscale. On sait que c'est énorme, mais c'est dingue parce qu'on voit bien que ce sport de triche augmente malgré tous les discours qu'il y a. Je suppose qu'y compris en Suisse, il doit bien y avoir des gens un peu moralistes ou qui disent non, c'est vrai qu'il va falloir un peu améliorer le capitalisme, c'est pas possible de continuer comme ça. Mais on voit que c'est pas du tout le cas, que ça s'aggrave. Et ça, c'est extrêmement violent, parce que quand on entend ces chiffres-là, mais pas que ces chiffres-là, parce qu'on entend aussi, bon, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais c'est pareil qu'en France, hein, les fortunes des milliardaires ont augmenté en France, y compris pendant la crise sanitaire. Hein, je crois que c'est 170 milliards d'euros de plus pour les milliardaires français, à savoir que les milliardaires français, ils sont un peu plus nombreux que l'année dernière. On en a 105 aujourd'hui, et c'est quand même pas mal parce qu'on se dit finalement tout va pas si mal dans le pays. Et c'est un peu rassurant. C'est vrai que des fois on boit du noir, mais là bon, il y a des gens un peu heureux. Et on est passé de 90 à 105 milliardaires. Et bon, ça veut pas dire que les. Enfin, après, on suppose que ça monte d'un cran à chaque fois quand même. J'ai pas le chiffre en tête, mais il y a un classement des 500 fortunes en France tous les ans. C'est super. Enfin voilà, il y en a qui se doublent les uns les autres. Enfin bon, après, il y a le concours des yachts. Enfin bon, ça, c'est un peu en marge. Mais ces chiffres-là, là on rigole ou on peut rigoler de ça parce que bon voilà, il y a aussi une façon de voir les choses quand on n'est pas obligé de se lamenter tout le temps. Mais c'est la traduction de la violence de la société, parce que la richesse comme ça, on nous explique, mais ici aussi peut-être, qu'en fait quand on est riche, c'est une preuve d'intelligence. Hein, où c'est une preuve qu'on travaille, qu'on ne fait pas les 35 heures, hein, qu'on en fait 40, 50, 70, enfin, qu'on n'arrête pas de bosser, que même on est assez innovant. Enfin, voilà, la richesse, c'est la preuve de ça. Et nous, ce qu'on dit, bah, c'est que la richesse, c'est tout simplement la preuve du vol. Il n'y a pas de richesse décente, il n'y a pas de richesse normale. À ce niveau-là, c'est forcément du détournement, de l'accaparement. Et c'est tout le résultat de cette logique capitaliste. Et qu'en fait, on s'aperçoit que plus le rapport de force est en la faveur, bah, plus ils prennent. Et moins ils ont de scrupules à prendre dans la poche des autres, parce que la richesse, ça se pique dans la poche des autres, dans le travail collectif, dans les richesses collectives. Et c'est ça qu'on voudrait dénoncer. Donc c'est une part importante, évidemment, de la campagne électorale, c'est d'essayer de délégitimer cette richesse-là et d'essayer de dire qu'en fait, cette richesse-là, elle se fait aux dépens des autres. Et en fait, l'accumulation de richesse à un pôle de la société, c'est exactement le résultat de l'accumulation de pauvreté, de misère, de précarité de l'autre côté de la société. Et qu'on ne peut pas inventer de la richesse comme ça, intelligemment, ou normalement. Donc il faut dénoncer ça, et c'est la dénonciation de ce système capitaliste, c'est la dénonciation de l'exploitation du travail. Et c'est pour ça que le travail a toujours un côté un peu particulier, parce qu'on dit le travail c'est chouette, ça forme la jeunesse, hein, là c'est plutôt les voyages, mais enfin bon, on nous dit tout sur le travail, hein, c'est la santé, tout ça. Mais le travail, c'est vrai que plus on le voit à travers la crise, plus c'est de la souffrance, parce qu'on sait que ça n'embauche plus, quand ça n'embauche plus, ça licencie. Quand ça licencie, en même temps, ça attaque les statuts, ça attaque les salaires, le temps de travail, évidemment. C'est la surcharge pour les uns pendant que d'autres galèrent au chômage. Voilà. Et c'est une souffrance qui se démultiplie, parce que c'est aussi une souffrance psychologique, hein, ce qu'on appelle le burn-out. C'est les destructions physiques, puisque l'intensification de la charge de travail, on voit aussi ce que ça donne. Et on est dans ce contexte-là. Et en même temps, on a un discours patronal sans honte qui explique que bon, on est obligé de toujours rogner, de toujours attaquer les droits sociaux. Alors là, j'en profite tant que j'y pense, parce qu'on a parler du code du travail en France. Alors le code du travail en France, il fait beaucoup de pages, même nous syndicalistes, on le lit pas en entier, c'est vrai qu'il est énorme, mais il a été bien réduit quand même en nombre de pages. C'était Sarkozy, je sais pas si vous vous souvenez de lui, il y a quelques temps, il avait discuté qu'en fait il était trop complexe le code du travail, qu'il fallait le réduire en volume et donc le simplifier. Mais en fait, la simplification, quand des gens comme ça en parlent, bon, c'est vrai que ça simplifie, en fait. Ça simplifie dans le mauvais sens. Hein. Ça simplifie la capacité. Enfin, ça enlève des contraintes au patron et ça lui permet d'exploiter un peu plus facilement. Mais en réalité, le Code du travail aujourd'hui, il ne protège pas. Il ne protège pas aussi peu. Mais ce n'est pas une histoire de droit, finalement. Ce n'est pas une histoire du nombre de pages. Ce n'est pas ce qui est écrit, pas écrit. C'est vraiment une histoire de rapport de force. Et on l'aperçoit au quotidien. Parce que le droit en France, mais comme dans plein d'endroits, il y a un peu de tout. Hein. C'est aussi l'histoire des luttes, c'est l'histoire d'une société, c'est des décennies en arrière, ça se construit, ça se déconstruit, et il y a toujours des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour nous défendre, mais il y a aussi pas mal d'éléments qui permettent au patron de s'appuyer pour justement surexploiter et sans limite. Et c'est là où on peut parler aujourd'hui d'une délinquance patronale, parce qu'en fait ils en ont rien à faire, il y a des trucs qui les empêchent de faire des trucs, mais ils vont les contourner. Et donc code du travail ou pas, on est attaqué de plein fouet, et on le voit. Et là aujourd'hui par exemple, il y a des exemples de lutte en France, en région parisienne notamment.
Ça s'appelle Bergams, hein, ça me vient comme ça, c'est un des exemples, parce que des grèves aujourd'hui, comme à l'aéroport ici, contre les licenciements ou contre la dégradation des conditions de travail, il y en a pas mal. Et Bergams, c'est dingue, parce que le patron de l'entreprise, il fait partie des 500 fortunes de France. Alors je ne sais pas à quel classement il est, hein, s'il est relégable ou pas, j'en sais rien, mais il est là-dedans. Et ils attaquent, mais c'est incroyable. Alors, ils sont 200 salariés à peu près, donc ça se passe à Grigny. C'est juste une illustration. Hein. Essentiellement des travailleurs immigrés, bon, français, hein, qui vivent là, mais d'origine immigrée, des Indiens. Enfin, il y a plein de nationalités. Et ce patron, il se permet à la fois d'attaquer le temps de travail, donc il augmente le temps de travail, il réduit les primes, il réduit le salaire. C'est du travail à la chaîne, c'est fabrication de sandwichs, hein, pour la SNCF, pour des boîtes de restauration assez importantes. Et c'est impressionnant de voir à quel point ils attaquent à tous les niveaux et comment ils comptent en fait sur l'impuissance des salariés, sur le fait qu'il n'y a plus la confiance et plus l'énergie pour se battre, pour les écraser encore plus. C'est dommage, il y a des banderoles qui tombent. Et pourtant, il y a du code du travail qui devrait... Bravo. Il y a le code du travail qui devrait empêcher des tas de trucs comme ça. Il y a des tas d'attaques qui sont en réalité illégales. Il y a des tas de choses qui se font qu'ils ne devraient pas pouvoir faire. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus rien qui empêche le patron de faire ça, et c'est là où c'est intéressant aussi à discuter, en comparaison, enfin là, nous, en France, on a tous les politiciens réactionnaires, enfin de droite, y compris de gauche, hein, quand il y a un problème dans la société, c'est forcément la délinquance, c'est les dealers, hein, c'est les jeunes qui font n'importe quoi dans la rue, et on nous parle qu'il y a une insécurité, et la réponse à l'insécurité, bah, c'est recruter des policiers, hein, même gentils, mais des policiers, quoi. Et cette insécurité-là, donc on discute, on parle de discours sécuritaire, mais au travail, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser que les mêmes qui disent qu'il faut des policiers dans la rue pour pouvoir empêcher la délinquance, hein, ou ce qu'on appelle les actes d'impolitesse quotidien, là, je ne sais plus, les incivilités, eh bien au travail, on n'a pas ça. Parce que là, on pourrait penser qu'en fait, par rapport à la délinquance patronale, par rapport à l'insécurité qu'on peut avoir, nous, au travail, hein, qui se traduit par des accidents du travail aussi, ou par des morts au travail, ou par des suicides, on devrait avoir un système de police, en fait. Ce système de police, en France, ça s'appelle l'inspection du travail ou la médecine du travail. Ça s'appelle aussi les CHSCT. Je te regarde parce que les CHSCT, c'est flingué. On n'en a plus. Hein. C'était des comités, justement, qui devaient s'occuper et travailler sur l'amélioration des conditions de travail. Donc, en fait, on s'aperçoit que tous les outils de protection sont éliminés et donc ça aggrave l'insécurité et ça permet au patronat de faire de plus en plus comme il veut. Mais il y a à la fois ce qui disparaît, ce qui existe, mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une histoire de rapport de force et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, même s'il y a des nombreuses grèves. Il y a la Berry aussi, c'est ceux qui fabriquent du foie gras, enfin, en tout cas qui le mettent en conserve, sont en grève en ce moment dans le sud-ouest, justement aussi par rapport à ça, à une sorte de dignité, hein, parce que là, les conditions de travail, ça joue sur le côté un peu vital de comment on peut vivre au moins un peu correctement avec un salaire et des conditions de travail qui ne nous abîment pas trop. Bon, voilà. Donc, mais pour changer la donne, on sait très bien que c'est un problème de rapport de force, donc c'est un problème de comment ces grèves-là se lient les unes aux autres et comment on arrive à un moment donné à construire une véritable mobilisation qui devienne offensive. Parce qu'on est trop souvent dans les côtés défensifs, comment on limite la casse, comment on empêche quelques licenciements ou comment on sauve une prime ou deux. Et en réalité, il faudrait repartir à l'offensive et re-revendiquer tout ce que le mouvement ouvrier a été capable de revendiquer. Et c'est la remise en cause de la propriété privée patronale, c'est la remise en cause du pouvoir patronal et c'est la confrontation directe avec le mode de production capitaliste. Et c'est pour ça que notre anticapitalisme, il est complètement d'actualité. On nous présentait l'anticapitalisme comme quelque chose, bon, un peu de truc de gaucho, un truc, bon, ben ouais, il y en a qui sont jamais contents, donc ils en rajoutent trop. Mais en fait, la seule issue pour sauver nos vies, c'est de vraiment rompre avec tout ça. Et c'est le combat contre ce capitalisme-là. Et les patrons eux-mêmes, les capitalistes eux-mêmes, font la démonstration que ce système-là, il est impossible à continuer, si ce n'est à tout casser, à tout détruire. Et donc voilà, ça, c'est une illustration de notre anticapitalisme. Alors bon, on a des revendications qui sont un peu peut-être les mêmes que par rapport à vous, parce que nous, on discute que pour combattre le chômage, il faut réduire le temps de travail. Hein, nous, on est pour 28 heures par semaine. Hein, je ne sais pas où c'est que vous en êtes, un peu ici. C'est la revendication, hein, on n'en est pas là. Hein. Officiellement, c'est 35, mais en réalité, il y en a qui bossent plus que 35, et puis beaucoup qui bossent moins de 35, parce que le chômage, c'est une réalité. Hein, c'est plus de 3 millions de personnes en France. Il doit y avoir 7, 8 millions de personnes avec des petits emplois, ou en tout cas en situation de précarité, ce qui correspond, hein, je finis avec les chiffres, hein, à peu près 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France, il est à 1050 euros. Donc on a 14% de la population à peu près qui vit en dessous de ce seuil-là.
Et donc en dessous de 1000 euros. Et juste pour finir sur les chiffres, le salaire médian en France, il est à 1800 euros. Alors je sais qu'il faut traduire après en francs, en Suisse, mais voilà. Donc du coup, on est dans la revendication de la réduction du temps de travail avec une revendication d'augmentation de salaire. Mais nous, on fixe le salaire minimum à 1800 euros. Donc ça voudrait dire des augmentations pour la plupart des individus, si vous calculez, au moins de 700 euros pour ceux qui sont au SMIC aujourd'hui. Et en réalité, partout, il faudrait des augmentations de salaire de 400 euros à minima. Mais nous, on pense que pour vivre décemment, il faut 200 euros. Alors vous imaginez bien que quand on a des revendications comme ça, ce n'est pas juste une négociation syndicale qui va le faire obtenir. Hein, ce n'est pas juste un bon président même qui pourrait changer ces choses-là. Donc ça pose le problème à chaque fois d'un combat social de fond. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est de retrouver des forces, de la confiance en nous-mêmes. Et c'est ça qui nous manque, de manière à pouvoir affirmer ce genre de revendications-là. En fait, de cette sorte de légitimité qu'on doit pouvoir vivre décemment, qu'on doit pouvoir avoir un emploi correct, qu'on n'a pas besoin d'un chef sur le cul à nous imposer toujours des cadences, qu'on n'a pas besoin toujours de nous culpabiliser, de nous stigmatiser, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on casse le moral des travailleurs, c'est de leur faire croire qu'ils ne sont pas bons, en fait, et que c'est pour ça qu'ils sont licenciés ou mal payés. Donc, il y a tout ça à inverser, mais ça suppose une force collective qui nous manque aujourd'hui, mais qu'il faut reconstruire, et on peut avoir confiance parce que la révolte est là, la colère est là, et ça peut prendre forme. En tout cas, nous, on compte là-dessus. Et encore une fois, le lien avec la campagne électorale, c'est en relayant ces idées-là, ben, c'est cette idée qu'on a de pouvoir aider à ce que la confiance revienne, et puis l'envie, et puis voilà, de regarder les autres à côté, et puis de se dire, ben ouais, finalement, la seule façon, c'est de réagir tous ensemble, et on a intérêt à l'organiser dès maintenant. Donc voilà. En fait, c'est organisé, hein, c'est pour que je puisse boire un coup. À peu près toutes les 7-8 minutes, vous allez voir. Donc ça, c'est un aspect. Alors après, il y a la question des retraites, évidemment, parce que j'ai vu que là aussi, c'était attaqué, notamment pour les femmes. On veut leur mettre une année de plus. En France, ben, petit à petit, à chaque fois qu'il y a une réforme qui s'annonce, c'est pour nous expliquer qu'on vit plus longtemps. Donc comme on vit plus longtemps, ben, il faut travailler un peu plus longtemps, ce qui semble, d'après eux, normal, et ce qui est complètement anormal en réalité, parce qu'on ne vit pas plus longtemps. En tout cas, ceux qui ont les travaux les plus durs, ceux qui sont les plus pauvres ou dans les conditions les plus modestes, ils ont plutôt tendance à avoir une espérance de vie beaucoup plus réduite qu'un actionnaire, par exemple, ou quelqu'un qui évade fiscalement. Hein. Donc, ça, c'est pas la même. Donc, du coup, évidemment que la question des retraites, c'est dégueulasse parce qu'en fait, il y aurait besoin, au contraire, et en plus, avec l'augmentation de la productivité, les avantages de la technologie et donc la capacité de produire toujours plus, il y aurait au contraire toutes les raisons pour travailler moins, beaucoup moins, et de pouvoir passer ses journées à faire autre chose qu'aller travailler. Hein, il y a tellement d'autres choses à faire. Soit voir un match du Servette de Genève, soit... J'ai révisé avant et... Donc ça, c'est un aspect. Alors après, dans la campagne, je ne vais pas faire tout le programme, là, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est d'essayer d'illustrer finalement l'actualité d'anticapitalisme. Et c'est vrai que le sujet aujourd'hui qui peut-être est le plus convaincant sur l'importance de l'anticapitalisme, c'est la question écologique, l'avenir planétaire. Alors on est en pleine actualité parce qu'il y a combien, 140 ou 150 gouvernants ou enfin pays et gouvernants qui se retrouvent aujourd'hui à Glasgow pour discuter de savoir s'ils peuvent sauver la planète. Et là, la grande question, c'est toujours un peu pareil, c'est est-ce qu'ils vont s'entendre avec une série de mesures qui permettraient enfin de diminuer réellement les émissions de gaz à effet de serre. Bon, là, ils ont l'air de décider sur la question du méthane. Je ne sais pas si vous avez vu, 30% de moins d'émissions, c'est un engagement, mais enfin, ça, les engagements des capitalistes, ça ne marche pas trop, en fait. Mais déjà, on le voit avec l'accord de Paris et puis surtout les rapports du GIEC qui sont quand même très... très illustrant sur la capacité des gouvernants à trouver des solutions efficaces. Mais en fait, le problème qui est posé, il est tout simple, c'est que tant qu'on reste dans le cadre du capitalisme, il n'y aura pas de solution. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Même s'ils avaient de la bonne volonté, ils n'y arriveraient pas de toute façon, parce qu'il s'agit de se confronter aux logiques capitalistes. Et nous, on est convaincus, et heureusement aussi pas mal de gens, puisqu'il y a des manifestations qui s'organisent. Bon, là, il y a celle de Lausanne. En France, il y en a une à Rouen, mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien qu'il y ait plus de mobilisation là-dessus, parce qu'en fait, il y a eu des grosses manifestations, notamment des jeunes, il y a 2 ans, je crois, juste avant la crise sanitaire, qui était prometteuse, une sorte de prise de conscience de la gravité de la situation et puis de la catastrophe planétaire.
Et là, il y a eu, bon, c'est sans doute un peu la crise sanitaire, comme dans tous les domaines d'ailleurs, hein, il y a eu une sorte de coup d'arrêt dans les mobilisations. Mais là, c'est des choses qu'il faut reprendre, parce qu'en fait, la seule façon d'imposer des solutions, bah, c'est de bousculer tous ces pouvoirs-là, puis même de leur imposer une politique qui soit réellement environnementale. Et donc, du coup, ça pose le problème, eh oui, des ruptures avec le capitalisme, et tout simplement le fait d'enlever les moyens de nuire aux capitalistes ou aux grosses sociétés. Il faut qu'ils arrêtent, c'est la rupture avec le productivisme, avec les productions intensives. Et donc, du coup, ça pose le problème pour nous, à notre avis, en tout cas, d'exproprier et de socialiser et de faire en sorte, par exemple, que pour les énergies, ce soit un véritable service public des énergies, dans le transport aussi. Hein, c'est la question de la gratuité des transports en commun, de développer tous ces transports-là qui sont les meilleurs moyens de sortir du tout voiture et du tout camion, de redévelopper évidemment le transport par voie ferrée. Bon, mais toutes ces questions-là, on s'aperçoit que finalement, c'est obligatoirement une poussée populaire, c'est obligatoirement des mobilisations qui posent des problèmes et qui leur disent, voilà, il va falloir faire comme ça. On ne pourra pas y arriver autrement. Et pour réussir, c'est une confrontation. Et c'est une rupture avec les logiques capitalistes et les logiques de course au profit. Donc ça, c'est incontournable. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le formuler d'autant plus facilement et même sereinement. Et d'arriver à expliquer, même à tous les grands défenseurs du capitalisme, que, bah, y a quelque chose qu'ils ne savent pas faire et qu'ils ne sauront jamais faire. Le capitalisme n'est pas raisonnable. Et plus la force, plus ils ont le pouvoir, moins ils sont raisonnables. Et donc du coup, la seule façon de les rendre raisonnables, bah, finalement, c'est de les renverser. Et c'est un combat populaire des peuples, hein, qui unifient leur force pour changer tout ça fondamentalement. Alors c'est toujours pareil, ça peut faire utopique vu la situation dans laquelle on se trouve, discuter aujourd'hui d'expropriation, de socialisation, de services publics et donc de rupture avec les lois capitalistes. C'est vrai qu'on se dit, bon, on n'en est pas là, mais il faut qu'on en fixe la perspective, il faut qu'on discute de ça, il faut qu'on le formule, il faut qu'on convainc, parce qu'en fait il y a plein de gens qui le pensent plus ou moins. On le voit dans les manifs, même y compris chez nous dans les manifs gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez eu un mouvement gilets jaunes en Suisse, mais nous on en a eu un chouette en France, et ça l'anticapitalisme sortait, en fait, y compris de plein de gens qui n'avaient jamais manifesté auparavant, ou des gens qui étaient en colère, qui se sont dit, merde, il y en a ras-le-bol, des inégalités, tout ça, machin, on les a traités de... parce que comme ça a démarré sur le carburant, en fait, c'est pour ça que je parle de ça. Ça a démarré sur le carburant, parce que c'est vrai que le carburant a augmenté, bon, il augmente toujours aujourd'hui, hein, mais à ce moment-là, il y a eu un coup de colère, et donc une dénonciation des hausses de carburant, une dénonciation de la taxe sur le carburant, et donc on a traité les gilets jaunes d'anti-écolo, quoi. Hein, il y avait tous ces politiciens là qui... Oh, c'est pas propre, alors en plus qu'ils étaient un petit peu réac par certains côtés, mais surtout anti-écolo. Et donc les gilets jaunes, ils ont répondu, mais non, nous on n'est pas anti-écolo, on veut juste vivre. Et c'est là où on pouvait voir comment on pouvait concilier, et d'ailleurs il y avait un slogan qui était très bien, c'était les fins de mois et les fins du monde, d'arriver à mener la bataille pour vivre décemment et en même temps se poser le problème évidemment d'une planète qui part à la dérive. Donc les choses ne se contredisent pas, et c'est vrai que le mouvement des gilets jaunes, il a quelque part fait cette démonstration qu'on pouvait se révolter, se mettre en colère, se former politiquement, développer une conscience politique et être aussi anticapitaliste, et y compris donc sur le terrain de la crise climatique. Donc voilà, c'est tout ça que nous on voudrait aussi dire. Et il y a, j'enchaîne, hein, là il n'y a pas le coup de l'applaudissement pour pouvoir me faire, mais si on peut le faire. Sur la crise climatique, à rajouter quand même que nous, évidemment, parce que là, il y a du débat sur le nucléaire. Je ne sais pas si vous entendez, nous, en France, on a un lobby nucléaire, ça y est, qui repart à la charge, et y compris une partie de la gauche qui redéfend le nucléaire, parce qu'en fait, ils nous font le coup de l'émission des gaz à effet de serre, c'est-à-dire que comme le nucléaire, il est soi-disant réputé, ou considéré comme une énergie qui n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle produit relativement peu de gaz à effet de serre. Et donc, on a toute une campagne qui essaie de réhabiliter le nucléaire, au regard, évidemment, comparé aux énergies fossiles. Donc, il y a un accord sur le fait qu'il faudrait arrêter les énergies fossiles, mais enfin, ce n'est pas vraiment le cas en pratique, hein, parce que ça continue presque un peu comme avant. Mais bon, en tout cas, il justifie le nucléaire. Et nous, on est anti-nucléaire, profondément anti-nucléaire. D'ailleurs, on s'est croisés avec les camarades de solidarité à la manif de Bugey. Parce que le nucléaire, c'est déjà tout simplement une énergie dangereuse. Enfin, nous, ça nous fait flipper, cette quantité de déchets, ces réacteurs un peu partout, des réacteurs vieillissants qui atteignent les 40 ans. Hein. C'était censé être l'âge limite, et même c'était 30 ans l'âge limite à un moment donné. Tout est repoussé. Et là, on nous explique que finalement, ce ne serait pas si mal que ça, et qu'on a besoin du nucléaire pour pouvoir produire suffisamment d'énergie pour l'ensemble de la planète. En fait, c'est un gros pipeau, c'est un gros mensonge qui correspond évidemment à des pressions de la part des lobbies du nucléaire. Et donc, nous, on tient à dire qu'on est aussi contre le nucléaire.
Il faut stopper le nucléaire. Alors, on sait que c'est un schéma de sortie sur plusieurs années, que ça ne peut pas se faire comme quand on éteint la lumière, mais c'est le combat contre le nucléaire en même temps que le combat contre les énergies fossiles. Et c'est à la fois la question évidemment des énergies renouvelables, ça tout le monde le dit, c'est à la mode, hein, mais c'est surtout aussi la question de la réorganisation de l'économie à l'échelle planétaire. C'est tout ce gaspillage à travers la mondialisation, les productions à un endroit, les délocalisations, et puis enfin, quand on voit le trajet des marchandises, c'est complètement aberrant. Et puis le choix des marchandises, l'avion, ou les camions, les voitures. Et donc du coup, il y a tout à réorganiser. Et c'est là où ça pose le problème, et la question de la crise climatique, elle permet de poser ce problème-là, c'est qui doit diriger la société et pour qui on la dirige, en fonction de quoi, quels sont les critères qui détermineraient les productions et la distribution des richesses. Et c'est là où on pose le problème du pouvoir, et ce pouvoir-là, ça ne peut pas être capitaliste, parce que là il faut arriver à discuter de comment on fait au mieux en fonction à la fois de la planète, des questions environnementales et puis évidemment en lien avec la question sociale, c'est-à-dire arriver à produire de manière à ce qu'on respecte les gens. Enfin, je ne reviens pas sur la question des salaires, des conditions de travail et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un gros bloc qu'on va avoir dans la campagne présidentielle. Et le dernier gros bloc, je parle comme ça, ben, ça fait un peu con, c'est la question en fait de la démocratie ou la question de l'égalité des droits pour toutes et tous. Et c'est évidemment au centre de tout ça, c'est la question de la remontée des idées réactionnaires et de l'ordre moral qui va avec. Hein, et où on voit, bon, en France en tout cas, mais je sais, pareil, ça doit exister dans plein de pays. C'est que tous les réacs, ils se sentent de plus en plus à l'aise pour sortir la crasse qu'ils ont dans la tête. Et donc, c'est quasiment ouvertement. Bon, là, on en a un, Zemmour, hein, chez nous. On a un super phénomène. Mais lui, il ne s'arrête plus, là. Il est tout excité. Dès qu'il peut sortir une saloperie, il la sort. Et alors, c'est à la fois sexiste, raciste, homophobe. Enfin, c'est tous les mépris que peuvent concentrer ces gens-là, ça sort, quoi. Alors, il est tellement, tellement libéré dans sa parole qu'il double l'extrême droite. Donc, du coup, ça crée des remous. On ne sait pas ce que ça va donner, mais même la droite est emmerdée. Donc, voilà. Mais ce qui est inquiétant, par contre, c'est la place que ça prend, tout ça. Comment les courants réactionnaires, comment les courants racistes, comment tous ces préjugés, parce que derrière le préjugé, ce sont des oppressions, comment tout ça, ça peut se discuter tranquillement sur les plateaux télé, et la difficulté qu'on a, nous, de les contrer, finalement, en tout cas dans ces espaces-là. Donc il y a une urgence aussi, et là, c'est une urgence démocratique, c'est une urgence pour l'avenir de la société, c'est que nous, on pense qu'il y a derrière ça, en réalité, aussi un danger fasciste, parce que Zemmour, c'est un fasciste. Alors, ok, il est comme ça, paf, il défend Pétain, mais quasiment ouvertement maintenant. Donc on voit bien dans quoi on s'installe. Et tout ça en lien avec une société qui est de plus en plus répressive. Parce qu'on a le côté réactionnaire, hein, des paroles libérées de ce point de vue-là, mais on a aussi un gouvernement qui hésite de moins en moins à réprimer dès qu'il y a de la contestation. Alors, ce n'est pas Macron qui a inventé la répression. Ce n'est pas Macron qui a inventé les matraques et les CRS qui nous nassent dans les manifestations. Mais Macron, il a franchi une étape. Alors, Macron, ce n'est pas lui tout seul. Hein, c'est aussi toute sa bande. Et certainement aussi, c'est discuté politiquement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a la crise, plus il y a de la pauvreté, plus il y a des inégalités sociales, plus certainement qu'ils doivent penser qu'il y a des risques d'explosion sociale. Donc, d'une certaine manière, il y a aussi la volonté de faire du préventif. Plus ils taperont sur ceux qui résistent, plus ils les calmeront, plus ils muselleront la contestation, plus le camp des riches doit se sentir un peu plus à l'abri. On est dans ces rapports-là. Donc, du coup, on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre l'aggravation de la crise et la volonté de réprimer de plus en plus dès qu'il y a un mouvement. Bon, alors, ça a éclaté avec le mouvement des Gilets jaunes de manière terrible, hein, parce que là, on n'a pas vu que les gaz, ou que les matraques, ou que les nassages de manifs, hein, ou que les gardes à vue. On a vu aussi l'utilisation de la LBD ou des grenades un peu dans tous les genres, hein, qui se sont traduits par des blessures énormes, des visages défigurés, des mains arrachées, et des troubles psychologiques pour pas mal de militants. Derrière, des arrestations, des centaines de manifestants ont fait de la prison, hein, des mois de prison dans la période qui vient de passer. Et c'est toujours en cours, hein, il y a toujours des procès. D'ailleurs, les rendez-vous militants, les agendas militants sont souvent déterminés par les procès. On est souvent devant les tribunaux, quelle que soit la ville, quel que soit le département. Donc on est dans cette situation-là, donc d'une société qui devient de plus en plus autoritaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche au gouvernement, son autoritarisme, avec des batteries de lois petit à petit, hein, qui sont liberticides, qui peaufinent, en fait. Alors là aussi, on en revient sur le... Là, c'est pas le code du travail, mais c'est le droit, tout simplement, hein, qui est remis en cause petit à petit. Et c'est de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué de pouvoir manifester sans problème. Et on voit bien toute la volonté qu'il y a de faire taire, de nous mettre à genoux. Donc tout ça, c'est le problème
qu'on a qui est énorme aujourd'hui et qui est en lien donc encore une fois avec les idées réactionnaires et qui est en lien avec tous ces problèmes de racisme et on voit heureusement d'ailleurs qu'il y a des réactions, on sent bien l'urgence qu'il y a. Bon, là vous avez parlé des luttes féministes, il y a les luttes antiracistes, de soutien aux migrants, tout ça c'est fondamental quoi, parce qu'on sait que ça se construira comme ça, avec l'anticapitalisme il passe par là. On a besoin de retrouver des chemins où on relève la tête, on se bat et on fait éclater cet ordre moral là, et ben, ça va être déterminant parce qu'en fait ça va être des points d'appui pour nous pour changer la donne, et on est dans ce climat là. Et je parle des migrants parce qu'en fait c'est aussi un sujet d'actualité depuis quand même de nombreuses années. En plus, ça a été dit tout à l'heure, on est dans un continent européen qui est pourri de ce côté-là, avec son histoire d'espace Schengen, son histoire de Frontex, hein, de fermer un peu tout, de laisser les migrants dehors, les réfugiés, quitte à ce qu'ils se noient dans la Méditerranée. Donc ça, c'est un scénario qu'on connaît depuis des années. Mais c'est vrai qu'avec l'Afghanistan, on a eu cet été un rappel du drame vécu par des millions de gens, en fait, et comment les dictatures, l'arrivée des talibans révèle aussi tous ces régimes-là. Mais derrière l'arrivée des talibans, c'est aussi toute la politique impérialiste, toute la politique néocolonialiste. Et on voit comment des puissances comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, bon, pas la Suisse pour le coup, comment ils arrivent à imposer leur propre politique. Et derrière cette politique-là, du soutien aux dictatures, quitte même à laisser les talibans revenir, parce que là, l'histoire de l'Afghanistan, c'est quand même une sacrée saloperie aussi. On intervient au nom de la lutte contre le terrorisme, et finalement, à la fin, ça se finit par des talibans qui reprennent le pouvoir et puis l'armée américaine qui s'en va. Mais aujourd'hui, l'armée française, elle est peut-être plus en Afghanistan où elle est pas restée longtemps, mais elle est au Mali aujourd'hui, hein, pareil avec les mêmes prétextes. Et puis la situation de la population malienne est de pire en pire. On a vu l'histoire de l'Irak, l'histoire de la Libye. Donc voilà, la question des migrants, la question des réfugiés, elle est liée à tout ce problème-là de domination impérialiste sur la planète entière. Et donc nous, une des parties importantes de la campagne, ça va être ça, c'est de se positionner contre l'impérialisme français, contre l'impérialisme en général, évidemment, hein, contre les politiques néocoloniales, et donc d'exprimer une solidarité, pas seulement aux migrants, parce que ça a été dit, il y a l'histoire d'une urgence humanitaire basique. Évidemment qu'on veut un monde où les pays riches accueillent les migrants, et sans limite, sans quota, qui fuient les déserts, les conséquences de la crise climatique, ou qui fuient pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Nous, on est pour un accueil sans limite. C'est des pays riches qui ont les moyens largement de loger les gens et de les accueillir normalement. Donc ça, c'est l'aspect urgence humanitaire. Mais en réalité, on est pour un monde sans frontières, un monde où on peut circuler librement. Et on revendique... Donc liberté de circulation, liberté d'installation, pour nous c'est fondamental, c'est le monde qu'on veut et il faut le défendre. Alors on nous reproche d'être utopique parce qu'un monde sans frontières ce serait complètement aberrant, mais non, parce que justement nous on pense que les frontières elles sont pas là où on veut nous les mettre. Les capitalistes veulent les mettre entre les peuples, ils veulent les mettre entre les travailleurs pour les mettre en concurrence. On voit d'ailleurs comment l'Union Européenne joue avec la concurrence entre les travailleurs et comment l'Union Européenne sert justement à isoler les populations des pays européens des autres, et puis de faire en sorte comme si la misère pouvait se cloisonner. Donc évidemment que c'est fondamental, il faut un monde solidaire, c'est de la même manière qu'on veut une Europe des peuples, une Europe de solidarité, et donc contre cette Europe capitaliste, mais c'est à l'échelle de la planète. Donc toute cette solidarité-là, on veut l'exprimer dans la campagne. D'autant plus que le président, il a une fonction envers ce qu'on appelle la politique étrangère. Si jamais, par un concours de circonstances un peu particulier, on était élu, il va bien falloir qu'on s'occupe de l'étranger. Et donc, du coup, ben oui, évidemment que c'est des choses qu'il faut revendiquer. Pour nous, c'est fondamental, et c'est la solidarité envers les peuples. Donc là, aujourd'hui, ben, je le dis parce qu'on a envie de le dire, on est solidaire du peuple palestinien qui se bat contre le colonialisme de l'État israélien. On est solidaire. On est solidaire, faut pas trop applaudir maintenant parce qu'il faut finir. Donc. On est solidaire de la lutte du peuple algérien, le mouvement Irak, les populations au Chili, en Colombie qui se sont fait tirer à vue par l'armée. Voilà, donc il y a pas mal de révoltes à Hong Kong. Enfin, en fait, on s'aperçoit que dans toute la planète, il y a des peuples, des populations qui se mobilisent pour les mêmes raisons que nous, on aurait envie de se mobiliser, hein, contre les dictatures, contre les attaques sur les libertés, contre l'ultralibéralisme, la remise en cause des services publics, voilà, tout ça. Donc ce sont des batailles qu'on veut mener, et on est persuadé qu'on peut changer la donne que si, justement, on arrive à coopérer, à faire les choses ensemble, à coordonner la révolte des peuples. Et donc pour nous, c'est l'avenir, il est à cette échelle-là, à l'échelle planétaire, et notre anticapitalisme, il est de toute façon planétaire. Voilà, donc je finis.
finis sur... je reviens à la campagne, donc la conclusion, un peu électoraliste, mais en fait, on n'est pas indifférent au score qu'on va faire. Parce que on nous dit, mais vous ne voulez pas être président, enfin, à quoi ça rime d'y aller, enfin, voilà, vous n'êtes pas convaincant parce qu'en fait, vous y allez juste pour jouer, tout ça. On ne veut pas être président, ça c'est vrai, et on ne va pas gagner, ça c'est certainement vrai aussi. Mais par contre, on veut que cette campagne-là fasse du bruit, on veut buzzer, mais pas dans le sens, une phrase comme ça, la police tue, je ne sais pas si vous avez suivi, ah, la police tue, l'anti-flic, ah, là, tout le monde s'affole, Darmanin, hop, il fait un procès. Voilà, donc on veut... C'est pas ça notre truc, c'est pas de buzzer comme ça, c'est tout simplement de dire les choses, d'exprimer la révolte, de dire que ce monde-là, on n'en veut plus, et d'être, de pouvoir oser dire ça, parce que c'est pas si simple que ça. Et dans une campagne électorale, c'est peut-être un peu plus facile, parce qu'il y a des espaces, et on veut utiliser ces espaces pour exprimer tout ça, pour secouer tout ça, et c'est vrai que c'est le lien, et c'est pour ça qu'il y a une connexion permanente entre les élections et la lutte. On fait pas les élections, puis on met en veille la lutte au quotidien, on fait les élections pour amplifier les luttes, pour essayer de les faire résonner un peu plus, et pour redonner de la confiance. Et du coup, l'idée de fond, c'est bien celle-là, c'est plus on fera, on espère en tout cas, mais même si on fait pas un score qui fait, déjà il faut les parrainages, mais même si on fait pas, j'allais oublier comme si on était déjà, ça y est, on arrive, ah, ça s'est pas encore fait, mais c'est ce lien-là et comment on peut, en disant les choses, en les affirmant et sereinement et en essayant même de formuler des perspectives politiques qui sont celles de la révolte, de ces coups de colère qu'on organise, et bien c'est ça derrière qui peut aider effectivement à remobiliser, mais l'essentiel évidemment, évidemment, ça restera la mobilisation, comment les gens prennent leurs affaires en main, comme ça a été raconté avec les luttes féministes ou même l'occupation de la CAFET. C'est incontournable, c'est par en bas, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est le côté autogestionnaire, en fait, le côté libertaire. Oui, on prend nos affaires en main, on s'organise par nous-mêmes par en bas, on se bat, on se fait respecter. Et c'est toutes ces luttes-là qu'il faut arriver à faire converger, à unifier, et avec ce projet, justement, hein, d'un anticapitalisme à l'échelle planétaire. Voilà, donc... Merci à Philippe, merci à tous nos intervenants. Si qui que ce soit ce soir se demandait quel sens pouvait avoir cette rencontre, je crois qu'après avoir entendu les uns et les autres, on constate que ce sont bien les mêmes luttes, les mêmes adversaires que nous devons affronter et que ces luttes, nous devrons les mener ensemble et au travers des frontières. J'en dirai pas plus, je vais ouvrir le débat. Simplement rappeler quelles sont les règles de débat. Nous allons appliquer les règles de la charte antisexiste de solidarité, c'est-à-dire que nous donnerons alternativement la parole aux hommes et aux femmes, et que nous ferons remonter les personnes qui n'ont pas encore pris la parole, simplement pour qu'il y ait une plus grande équité dans l'accès à la parole. Nous vous demandons d'être concis dans vos interventions, de sorte qu'un maximum d'entre vous puissent s'exprimer, et nous allons essayer avec Théo de modérer ce débat. La parole est à vous, il y a un micro qui va circuler. Levez bien la main. Deuxième tour plus intéressant que Macron le fait, et actuellement c'est le scénario qui risque de se répéter.
ou pire, Macron Zemmour avec la division de la gauche. N'est-il pas mieux se rassembler pour avoir une chance de gagner? Alors, si on a bien compris, on doit répéter les questions parce que pour les personnes qui visionnent en direct, elles n'entendent pas les questions de la salle. C'est juste. Du coup, ok, donc la question en gros c'était pourquoi vous présentez le NPA plutôt que de soutenir la France Insoumise, le Parti Communiste ou une autre candidate de gauche, parce que ça divise les... Pardon, ça divise les voix et après, bah, le risque, c'est d'avoir un second tour avec que des candidats-candidates réactionnaires de droite, d'extrême droite. Ça dépend comment on gère. Est-ce qu'on fait plusieurs questions et on essaie de regrouper derrière? Non, peut-être, ouais. Oui. Ça permet comme ça d'avoir un petit moment de parole à la salle. Enfin, moi, ouais, on peut faire comme ça. Mais on va répondre. Quel cheveu blanc? C'est Christian derrière. Constat que tu fais sur l'écologie et sur la nécessité des deux. Avec ça, on se rejoint. J'aurais pas le même discours qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Mais moi, mon classique, je te dis tout de suite, je suis pas français, je suis suisse d'origine chilienne. Et je me suis tapé des années de fascisme. Et je considère qu'en France, on est dans une période très fasciste. D'accord ? Dans ton discours, je sens non pas un discours de témoignage, un discours vraiment sincère d'avoir envie de changer les choses. Mais on est face à une élection en France où soit on se tape 5 ans de Macron, soit on va se taper du fascisme à la Zemmour ou à Le Pen. Et ça, les amis et chers camarades, c'est pas 5 ans de fascisme. C'est des années de fascisme. Et c'est un Chilien qui te le dit du fond du cœur. Et quand le fascisme arrive, bah, c'est les meilleurs qui perdent. C'est les syndicalistes face au fascisme. Ils détruisent. Donc dans cette situation-là, moi ce que je te demande, ce n'est pas de savoir pourquoi tu ne te retires pas, mais qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gens progressistes et de gauche pour faire alliance et que ça, cela n'arrive pas et que ça ne soit pas tout simplement une candidature de dérangage. Voilà, j'attends ton explication parce que... Alors, je vais résumer, mais évidemment, je reprends pas exactement les termes, donc voilà. Donc la personne qui est intervenue fait le même constat que Philippe, parle du contexte pré-fasciste en France, et de l'envie de changer les choses, voit bien que la candidature pour le NPA de Philippe est une candidature, pas une candidature de témoignage, mais une candidature d'envie de changer les choses et que c'est extrêmement nécessaire actuellement. Mais nous sommes en France, la France particulièrement, est dans un contexte pré-fasciste. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme progressiste pour éviter cette situation? C'est-à-dire, pas forcément, la question n'est pas pourquoi ne pas se retirer ou pourquoi ne pas soutenir un autre candidat ou une autre candidate, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme progressiste pour éviter la situation qui est celle actuelle de la division des candidates-candidats, si j'ai bien compris. On en prend une dernière avant de répondre ou... Au cas où ce soit un peu la même, ouais, ça sera... J'ai deux questions simples à vous poser. La première, vous m'entendez? Oui. Oui, sinon, maintenant, micro. Alors voilà, donc, sans garçon, on s'en fout pourquoi. La première question, c'est au niveau du parrainage. Je voulais juste savoir si c'est des parrainages symboliques, des parrainages avec une financiation derrière. Et la deuxième chose, c'est de savoir si, quels sont vos origines du sud de la France, parce que vous avez parlé du sud-ouest. Alors, je voulais
Alors, j'ai pas exactement bien entendu, donc je vais essayer de redire les deux questions. La question des parrainages, est-ce que c'est les parrainages sont juste symboliques ou si c'est aussi une question financière? Et puis la deuxième question, c'est quelles sont vos origines en France? Est-ce que ça serait le sud-ouest de la France? Ça marche comme ça là ou ça marche pas? Il faut appuyer sur le bouton. Et ça marche pas mieux? Si, ça marche mieux. C'est peut-être avec celui-là alors. Ah oui, là c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ah oui. Ah. Il fallait bien les deux alors. Je réponds à la question la plus facile d'après moi. C'est celle sur Mélenchon. Non, je rigole. Donc effectivement, je vis dans le sud-ouest de la France, et plus exactement à Bordeaux, une ville où je suis conseiller municipal avec des camarades de lutte, puisqu'on avait fait une liste anticapitaliste, avec justement des camarades de la France insoumise, et des camarades gilets jaunes et syndicalistes. Et donc voilà, donc je vis dans le sud-ouest, et effectivement, j'ai plutôt tendance à citer des fois des exemples de grèves pas loin de Bordeaux, enfin celles qu'on entend parler. Il y a même en Pays Basque une lutte très intéressante en ce moment d'occupation d'une terre qui devait être vendue à une très riche parisienne qui voulait y mettre ses petits chevaux, et il y a une bataille pour empêcher ça et de garder ces terres pour des agriculteurs, et y compris pour des jeunes qui ont des grosses difficultés de se loger, un peu comme un peu partout, la question du logement est souvent une des priorités. Voilà, donc ça me permettait de parler de cette lutte-là, et puis il y a même une lutte écologiste dans le sud-ouest, c'est du côté de Poitiers, il y a des bassines, je ne sais pas si ça existe ici, là, c'est un peu montagneux, c'est peut-être pas tout à fait le même problème, mais ils veulent stocker de l'eau pour les céréaliers, donc ils font des grandes piscines, quitte à absorber l'eau dans les nappes phréatiques et donc à bousiller un peu l'équilibre écologique et les zones humides. Et il y a une bataille aussi pour empêcher ça. Enfin voilà, donc c'était l'occasion de parler un peu de ce qu'il y avait autour de Bordeaux. Et donc je suis bordelais et du sud-ouest, et c'est pour ça que j'ai peut-être un petit accent qui n'est pas le même que celui qu'on entend du côté de la Suisse. Et ensuite, sur les parrainages, j'ai pas compris la question, mais les parrainages, donc on en est à un peu plus de 150 et il en faut 500. Alors là, c'est des promesses de parrainage qu'on récupère. Je vous fais juste un truc très rapide, un côté technique. C'est le Conseil constitutionnel qui récupère les parrainages, donc ça va se passer le 4 mars. Et c'est simple, hein, ils comptent. En fait, c'est les élus qui envoient leurs fichiers, enfin leurs documents, ils l'envoient rempli au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il compte tout ce qu'il a. Et tous les candidats qui ont plus de 500 parrainages, ils sont donc dans la campagne officielle qui démarre le lundi 6 mars. Voilà, ça va se passer comme ça. Et donc aujourd'hui, on va chercher des promesses de parrainage, parce qu'en fait, c'est pour compter, pour savoir où on en est. On va voir des élus, on essaie de les convaincre. Ils promettent qu'ils vont nous donner le parrainage. Ça nous permet de compter comme ça. Et après, on espère qu'ils vont convertir leurs promesses en véritable parrainage. Voilà, donc ça, c'est la chasse au parrainage qui va durer jusqu'à début mars. Et on est en fait que c'est que les candidatures qui n'ont pas d'élus qui font ça, parce que le Hidalgo au PS, Roussel au PC, pour parler de la gauche, enfin de ce qu'on peut considérer à gauche, et ou des élus comme ceux de droite ou d'extrême droite, beaucoup comptent sur leurs propres élus, parce qu'il y a des partis qui ont déjà des élus, donc eux ils n'ont pas de problème. Consigne de parti, chaque élu donne C'est parce que j'ai dit du mal d'une partie de la gauche. Ça, ils sont donc là. Mais voilà, donc c'est un vrai boulot de dingue pour nous. Je finis vite là-dessus parce que c'est un truc qui est aberrant, antidémocratique, mais aberrant y compris même du point de vue écologique, parce qu'on a une voiture, on part à deux et on fait des dizaines de milliers de kilomètres au bilan. C'est énorme tout ce qu'il faut faire en kilomètres, en carburant dépensé. Et donc, on émet des gaz à effet de serre aussi en essayant d'être candidat. Donc, ça nous fait un peu chier aussi. Quand même. Mais puis, c'est surtout antidémocratique, en fait. Voilà, c'est de chercher des moyens d'empêcher des candidatures que nous, on considère comme légitimes, parce qu'on considère que l'NPA a sa légitimité, et on va pouvoir en discuter sur la question suivante, de par ses idées, de par ce qu'on représente socialement, de par nos perspectives politiques. Donc, on a une légitimité qu'on espère bien faire respecter. Et c'est pour ça que les parrainages, pour nous, c'est quelque chose d'incontournable, mais en même temps qu'on devrait pouvoir obtenir. Voilà. Je passe aux deux questions sur les alliances, sur cette sacrée gauche divisée et affaiblie et qui fait gagner la droite.
c'est un vieux truc, c'est une vieille histoire qu'on a. Enfin, en plus, en France, la présidentielle, il y a toujours eu des candidats d'extrême gauche. Ça a été Arlette Laguiller pendant très longtemps. Arlette Laguiller, depuis 1974, première femme à être candidate à une élection présidentielle, première militante révolutionnaire. Et à partir du moment où elle était là, la gauche, hein, je ne parle pas de la droite, hein, la gauche a toujours essayé d'empêcher à ce qu'il y ait des candidatures d'extrême gauche, des candidatures révolutionnaires. Il ne fallait jamais déranger la gauche, il ne fallait jamais empêcher la gauche de gagner. À l'époque, Laguiller s'était fait traiter de faire le jeu des préfets et de la droite parce qu'elle osait se présenter contre Mitterrand. Grand candidat de gauche, Mitterrand, un grand gauchiste, anticapitaliste, il ne fallait surtout pas l'empêcher d'arriver. Il ne fallait surtout pas que De Gaulle et compagnie continuent à gagner. Arlette Laguiller s'est quand même présentée, Mitterrand a gagné et Mitterrand, il a trahi tout le monde. Mitterrand, il a trahi, il a renié et pas lui tout seul. Ensuite, on nous a fait le coup, encore une fois, avec Jospin, il ne faut pas déranger Jospin, merde, la gauche, la gauche, la gauche. La gauche est arrivée au pouvoir, elle a attaqué les services publics, elle a attaqué les droits sociaux, elle a permis les licenciements, enfin, c'était, enfin, tout, tout, et la chasse aux migrants. Et alors après, il y a eu Hollande. Ah ouais, mais si on se présente contre Hollande, merde, il faudrait quand même dégager Sarkozy, il faudrait quand même dégager toute cette droite et empêcher Le Pen d'arriver et tout ça. Donc l'extrême gauche, arrêtez, ralliez-vous. Et puis Hollande a gagné. Hein, donc en fait, c'est pour vous dire que déjà, l'extrême gauche est tellement faible qu'elle n'a jamais empêché la gauche de gagner. C'est le côté rassurant, hein, c'est pour rassurer un peu ceux qui pensent qu'il faut absolument que la gauche gagne ou qu'elle regagne. Mais le problème, c'est qu'il y a une volonté un peu tenace de faire taire aussi un courant politique, de faire taire une perspective politique et de contribuer à rendre invisible quand même un camp social. Et c'est quand même un sacré paradoxe venant de soi-disant gens de gauche. Hein, parce que ces gens de gauche, ils sont qui en réalité, si ce n'est les défenseurs d'un même système, si ce n'est les alliés d'une même couche sociale, des mêmes parasites, des mêmes exploiteurs. Et c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal, attends, je finis. On a du mal à entendre cette petite leçon permanente comme quoi on n'aurait pas le droit d'exister, comme quoi on serait les empêcheurs de tourner en rond. Alors juste pour rassurer mathématiquement, parce que c'est mathématique, quand la gauche perd, c'est parce qu'elle se fout la merde entre elles. Parce qu'on n'est pas de la même famille. Les révolutionnaires comme nous, les anticapitalistes, les militants du mouvement social, on n'est pas de la famille du PS. On n'est pas de la famille du PC, même d'une certaine manière, en tout cas des dirigeants du PC. Et c'est cette famille-là qui se dispute, et c'est cette famille-là qui est capable de perdre toute seule. Elle n'a pas besoin de nous pour perdre. Jospin, il a perdu parce que Chevènement est parti sans lui, parce que Taubira est parti sans lui. Les mêmes qui gouvernaient ensemble, ils ne sont pas capables de s'entendre. Et aujourd'hui, c'est la même cérémonie qui est en train de se passer. Ceux qui ont gouverné ensemble, ils ne sont pas ensemble. Hidalgo, Jadot, ils gouvernent ensemble. Ils ont toujours gouverné ensemble, pas les personnalités, mais les partis politiques. Et on pourrait même dire Roussel, hein, ils ont gouverné ensemble, c'est la même famille politique, la même solidarité politique. Et on pourrait même dire Mélenchon, cet ancien ministre de Jospin, qui est fan de Mitterrand et qui n'a jamais rien remis en cause de la politique de la gauche par le passé. Donc du coup, ça permet de discuter un peu autrement de ces choses-là. Nous, on pense qu'on a cette utilité-là de faire entendre la voix de la révolte, oui, de la voix anti-système, de dire « il y en a marre, il faut qu'on s'occupe de nos affaires, il faut qu'on exprime nous-mêmes notre révolte » et de dire en même temps que la défaite, ce n'est pas nous, ce n'est pas parce qu'on exprime des idées radicales qu'on perd. On perd parce que la gauche trahit. La droite est là et l'extrême droite est là parce que la gauche, elle a trahi, parce que la gauche, elle nous a attaqués. C'est pas vrai que c'est Laguiller ou Krivine ou Besancenot ou moi aujourd'hui qui serions responsables de l'arrivée du fascisme. Et c'est d'un culot extraordinaire. On s'est fait attaquer tout le temps. Alors, je finis sur un aspect. On n'est pas anti-Mélenchon, on n'est pas anti-Roussel, même si Roussel, quand il courtise les flics, les chasseurs, et qui explique que les migrants devraient plutôt rester dehors, on n'a pas l'impression que c'est un allié. Et on a l'impression que le mec, il a basculé, il n'est plus à gauche. Mais on n'est pas anti-Mélenchon quand même, parce que nous, on pense que l'élection, elle peut peut-être servir à ça. C'est, par exemple, plutôt que d'aller chercher à débattre avec un Zemmour, on pense que ça ne sert à rien. On pense qu'on ne discute pas avec un fasciste, qu'on ne débat pas avec un fasciste, qu'il y a autre chose à faire. Mais par contre, on pense qu'il pourrait être utile d'avoir un vrai débat politique entre la gauche radicale. On pense que ce serait bien que la campagne électorale soit l'occasion
de mettre à plat les désaccords qui existent dans la gauche radicale et de faire en sorte que Mélenchon, Artaud, le NPA, on soit en capacité de discuter de ce qui nous sépare, de ce qu'on a en commun, de mettre à plat nos perspectives politiques, nos rapports avec les institutions, nos rapports avec la République, qu'est-ce qu'on pense de l'internationalisme, qu'est-ce qu'on pense de l'accueil des migrants, qu'est-ce qu'on pense des ventes d'armes, qu'est-ce qu'on pense de Dassault, qu'est-ce qu'on pense du colonialisme, qu'est-ce qu'on pense de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, hein, qui a un référendum bientôt. Voilà, tout ça, on aimerait bien que cette gauche-là, elle soit en capacité de débattre de ça entre elles et de montrer que finalement, ce qui se discute dans les manifs, eh ben, on doit être nous capables d'en discuter aussi ouvertement. Et là, on verrait bien l'utilité de ce que nous, on représente, les moyens qu'on aurait de pouvoir même quelque part de montrer que les idées de gauche radicale existent encore. Et voilà, donc c'est ça. Pour nous, on culpabilise pas. On ne se sent pas responsable de la merde actuelle, mais par contre, on se sent responsable d'une incapacité collective, effectivement, de ne pas reconstruire une gauche de combat. Et nous, on veut bien être les acteurs de la reconstruction de cette gauche de combat, mais ce n'est pas en nous effaçant de la présidentielle qu'on réussira mieux cette mission délicate. Zemmour à Genève. Donc j'ai envie de profiter en fait, de l'Assemblée ce soir, toutes ces personnes ici réunies, en fait, pour rappeler ce message, en fait, que voilà, c'est ça qui a lieu. Mettez ça dans votre agenda. Idéalement, il faudrait que je s'organise collectivement pour avoir une réponse populaire à la venue de ce personnage à Genève. Et en fait, il me semble qu'une semaine avant, il est à Grenoble. Voilà, peut-être si vous pouvez nous dire ce que vous prévoyez de faire ou les idées que vous avez en France, et peut-être que ça pourra un peu donner des idées et inspirer quelque chose pour le 24 novembre ici à Genève pour montrer la venue de Zemmour. Oui, la personne qui vient de s'exprimer rappelait qu'il est prévu que Éric Zemmour vienne à Genève le 24 novembre prochain. Et il estimait nécessaire qu'il y ait un comité d'accueil qui soit là et qu'il y ait une manifestation le cas échéant. En rappelant également qu'il était prévu que Zemmour soit présent à Grenoble une semaine auparavant. Il voulait savoir si quelque chose était prévu de la part des camarades du NPA et si éventuellement on pourrait se concerter. Parlons des gosses qui arrivent. On parle du capitalisme, mais on parle
Merci. Merci, merci, merci. Merci. Ouais, il y a pas mal de prises de parole et puis on va aussi essayer d'équilibrer les genres. Je peux pas trop. Bon, je peux pas trop résumer la question qui vient d'avoir lieu, mais en gros c'est comment. La question c'est comment on parlait autrement et pas parler toujours des mêmes choses. Et puis il faut les redire. Enfin, non. Si, mais c'est pour ceux qui suivent à distance. Moi, je vais essayer de répondre en répondant. Okay. Oui,
justement dans une situation où il y a beaucoup de contraventions qui se rendent, beaucoup de condamnations, et puis notamment au sujet de la grève pour le climat, donc il y a toute une série de répressions qui sont menées, et on trouve des avocats, on trouve même des avocats bénévoles, et moi je suis allée hier pour signer un recours à la Cour européenne des droits de l'homme pour une manifestation que j'avais organisée malgré les réticences de la police. Donc il y a des possibilités de trouver des avocats, il y a des possibilités de se défendre, mais c'est vrai que compte tenu du nombre de maintenant. Oui. Alors rapidement parce que l'heure passe. Rosine a répondu sur Zemmour, mais c'est pour dire qu'il y a déjà eu des tentatives de riposte. Il y a eu Nantes qui est à l'ouest de la France, côte atlantique, et dans le sud-ouest, il s'est passé aussi une contre-manifestation à Biarritz. C'était Zemmour qui venait pas faire un meeting, mais qui venait signer un bouquin
façon bouquin, quoi. Donc il y a des tentatives, c'est vrai que c'est pas simple. Et à Bordeaux, donc avant Grenoble, Zemmour passe à Bordeaux le 12 novembre. Et on a une réunion lundi qui arrive pour essayer de voir comment on peut organiser une contre-manifestation avec les camarades libertaires de l'UCL, avec, on va voir, des syndicalistes, des militants de la gauche. On va voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Mais c'est vrai que ça donne envie de tenter des choses. Même si ça peut être interprété comme de l'antidémocratie, parce qu'empêcher Zemmour de venir ou râler quand il vient, mais on est plutôt motivé pour le faire, parce que ça permet aussi de remobiliser un peu les milieux militants sur cette idée de combat antifasciste et d'essayer de mettre en place des collectifs unitaires. Donc les déplacements de Zemmour peuvent être aussi aider à ça, à poser le problème de comment on se défend, comment on se fait entendre, comment on se réorganise. Et on sait qu'il y a un besoin urgent de reconstruire des liens et de mesurer l'urgence qu'il y a de se remobiliser. Donc c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Et donc du coup, ben oui, quand il vient à Genève, c'est pas mal de tenter quelque chose. Alors après, il faudrait voir s'il peut y avoir des communications entre collectifs, entre villes, de manière à se filer des informations sur comment faire, comment être efficace un peu dans la contestation. C'est des choses qui peuvent aussi se développer entre la Suisse et la France. Faut voir, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est l'idée déjà de riposter, l'idée de se faire entendre et de montrer qu'aujourd'hui, il y a d'autres idées que celles de Zemmour. Parce qu'en France, Zemmour, il squatte les plateaux télé. C'est impressionnant, quoi. Et donc, du coup, alors après, tu as le problème politique qui est posé aussi. Il y en a qui le disent. C'est que si on fait une manif contre Zemmour, on remet Zemmour un peu au centre du jeu. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont jamais simples. Mais je pense que le problème qui est posé, le premier qui nous est posé, c'est celui de notre capacité à nous faire entendre. Et donc, du coup, si on a ces occasions-là pour le faire, eh bien, on le fait et on voit comment on peut s'organiser au mieux. Et à travers ça, encore une fois, je pense qu'il y a la mise en place de collectifs unitaires contre les idées réactionnaires, contre les idées fascistes. Mais derrière, c'est aussi en lien avec le mouvement féministe, avec la solidarité avec les migrants, les batailles LGBTI. Tout ça, il faut que ça arrive à s'accrocher. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment un mouvement de fond qu'il faut qu'on arrive à reconstruire. Voilà. Je réagis sur... Il y avait deux questions qui pouvaient, à la limite, se rejoindre un peu. C'est le décalage qu'il pouvait y avoir entre une réunion où on est à peu près 150, où on chante, on rigole, et où on parle de la lutte, des fois, avec un peu d'humour. Et c'est vrai que, bon, là, quand on est 150, en fait, on est content, quoi. Ici, comme en France, hein, dès qu'on a une réunion avec un peu de monde, qu'on peut se retrouver, il y a un peu de convivialité, un peu de chaleur, ça fait du bien. Et c'est vrai, là, par contre, ça rappelle qu'en fait, le combat quotidien, eh ben, on rigole pas tous les jours. Mais on n'est pas obligé de pleurer quand on se voit tous ensemble. Mais c'est vrai que la dureté de la réponse, et ça, c'est les amendes et tout ça, nous on le voit partout, hein. Donc en France, c'est impressionnant le nombre de rendez-vous qu'on a pour aller soutenir une collègue ou un collègue qui prend 135 euros d'amende parce qu'il a manifesté, en plus photographié de loin, enfin tout est scandaleux, tout est dégueulasse, et c'est vrai qu'il y a un effet usant, démoralisant, et c'est un peu le quotidien, mais le quotidien c'est aussi la galère du chômage, c'est aussi des logements insalubres pour certains, c'est l'incapacité de se déplacer ou de se soigner en temps et en heure. Bon, les raisons de galérer existent tellement que, en fait, c'est vrai que la vie globalement elle est pas marrante, mais on a aussi ce comment arriver à, dans des moments comme ça, à discuter un peu des perspectives dans une autre ambiance, c'est important aussi, sans oublier que la réalité c'est la galère, mais la lutte ça fait aussi partie de ces moments où on peut s'éclater quand même. Et quand nous on a, bon, moi c'était à Ford, bon c'est, on a perdu notre emploi, l'usine a fermé, on s'est tous fait virer comme des malpropres, hein, après des années de 3-8, enfin de toutes les merdes qu'on peut vivre au travail. Et c'est vrai qu'il y a un côté triste, mais en même temps, des fois, on a tendance à dire merci Ford, parce qu'on a vécu des moments assez forts, sans faire de jeu de mots, évidemment. Hein. Et c'est vrai que la lutte, elle procure tellement de plaisir, dans le sens qu'il y a des solidarités, on se pose des problèmes, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, tout ça. Et donc, du coup, même dans un malheur, celui de se retrouver au chômage, ou en tout cas de risquer de se retrouver dans des situations difficiles, même dans ces situations-là, on est quand même on est amené à, dans la résistance et dans le combat, à vivre des moments qu'on a envie de vivre, qu'on a besoin de vivre. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué, le lien entre la dureté de la vie quotidienne et puis les plaisirs de la lutte, ou les nécessités de la lutte. Mais moi, je pense que ça ne se contredit pas. Il faut arriver à accrocher tout ça ensemble.
le fait est que le monde est pourri et qu'il faut le changer et qu'on n'a pas le choix. Et là, ça fait le lien avec l'autre question qui dit pourquoi on est toujours contre et jamais pour. Mais en fait, on réagit à une saloperie ou on réagit. Mais même le progrès scientifique, là, j'essaie de réfléchir pourquoi on est toujours contre d'abord avant d'être pour. Mais en fait, un médicament, et c'est la réponse à une maladie. Donc, c'est la réponse à un contre. C'est comment et le progrès scientifique, le progrès technique, le progrès social, en fait, il est d'abord en réponse à un problème qu'on a et on essaie de le résoudre. Et c'est vrai qu'à travers tout ça, on se dit, mais en fait, c'est l'aspiration à un autre monde. Alors là, on positive et on commence à réfléchir de quel monde on voudrait, de quelle société on voudrait construire pour nous et pour les plus jeunes, puisqu'il était question d'enfants. Mais c'est à nous de le construire et ça ne s'oppose pas non plus. C'est, voilà, on fait comme on peut d'ailleurs. Hein. Et puis, c'est la personne qui disait qu'il ne fallait plus faire comme ça. Peut-être qu'on ne fait pas bien, mais on encourage toutes celles et ceux qui pensent qu'il faut faire autrement de le faire aussi. Hein. On n'a pas le monopole du cœur ou des idées de contestation non plus. Hein. Voilà. Ah oui, et juste, excusez-moi. C'est pour ajouter, s'il y a une question qui a été posée. C'est sur la. Quand on est très nombreux, quand on est des milliards, comment faire, c'est ça, pour s'organiser, tout ça. C'est vrai que. Bon, quand on voit les capitalistes, leur incapacité d'organiser les choses rationnellement, ça ne veut pas dire que nous, on serait mieux capables. Mais ce qui est rassurant, par contre, ce qui peut donner le moral, c'est quand on voit les mouvements populaires comme Hong Kong, enfin, les images qu'on voit, mais même, il y a eu un documentaire qui a été fait qui raconte de l'intérieur. C'est extraordinaire. Même dans des conditions de répression, dans des conditions très dures, la capacité des jeunes ou des moins jeunes de la population à s'organiser, à s'auto-organiser, à trouver des réponses aux outils de répression, aux outils de division, c'est, voilà, il y a une capacité collective qui est indéniable. Quand on voit les révolutions du monde arabe, même si ça se finit mal avec la dictature égyptienne, d'ailleurs soutenue par la France, hein, il faut quand même le rappeler au passage, puisque les armes égyptiennes, ce sont des armes françaises qui servent à tirer sur le peuple égyptien qui se bat toujours. Mais donc du coup, oui, il y a des moments difficiles, mais les révolutions arabes, c'était extraordinaire, parce qu'on a la vision, nous, extérieure, mais quand on lit des récits de l'intérieur, de la capacité de la population, que ce soit en Tunisie, en Égypte, ou même en Libye, cette capacité à s'organiser, à mener des grèves, à aller faire chier les flics, à aller attaquer les commissariats, parce que c'était pas une lutte pacifique, comme on essayait de nous faire croire, ça rassure. Quand on voit la capacité de la population chilienne à faire tomber la constitution Pinochet, et c'est pas une élection qui a fait tomber l'élection Pinochet, la constitution Pinochet, c'est bien un mouvement populaire profond, ça rassure. Voilà. Et nous, on se dit que les populations, quand elles auront la force de se battre, quand elles s'organiseront, même à des millions, des dizaines de millions, on peut penser que le plus dur sera fait et qu'après, ben, il suffira juste de se coordonner et d'affiner les réponses techniques. Mais le problème politique de fond, c'est déjà l'élan révolutionnaire. Une fois qu'il y est, on devrait trouver des réponses. Je suis navrée, je vais casser un peu la fête. Je vous informe juste que nous allons prendre encore un tour de parole, trois prises de parole, parce qu'il est 10h15, qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui sont déjà partis. Ce serait dommage que cette soirée s'effiloche. En revanche, je vous informe qu'il y a un apéro qui est prévu, et donc vous pourrez continuer la discussion avec les différents interlocuteurs ou entre vous. Et... Non, mais on le garde aux frères. Et simplement vous dire aussi que pour ceux qui souhaiteraient s'engager, qui sont prêts à donner des forces pour alimenter les luttes dont nous avons parlé aujourd'hui, il y a une liste qui sera disponible là-bas, près de la table de l'apéro, pour ceux qui voudront s'inscrire. Vous dire également qu'il y a des textes pour l'initiative pour imposer les grandes fortunes, et qu'il est important aussi de donner ce type de signal pour que nous puissions voter sur cette question. Et puis également, nous avons des feuilles de prise de position pour que nous puissions disposer d'un affichage lors des prochaines élections, parce que c'est important. Ça permet aussi de disposer d'une tribune pour diffuser nos idées, les positions que nous défendons. Voilà, excusez-moi. C'est la partie en tendance. Oui, j'avais oublié. Yeah.
ton opinion là-dessus. Est-ce que c'est un programme ou pas? Est-ce que tu penses même que c'est souhaitable en France, vu le côté réactionnaire qu'on peut sentir, etc., la population de certaines idées? Et voilà. Et si tu as quelques minutes après, à la fin, poser un peu avis sur d'autres points. Merci. Il y avait une demande de parole là. Ah, excuse-nous, on n'avait pas compris. Bon, alors en tant que femme, il y a le micro, il y a le micro. Alors, vraiment, je suis profondément choquée parce que je me rends compte que c'est pas simplement, c'est un grand mot de dire le fascisme. Déjà, avant tout, il est excessivement révisionniste. Et quel est un des premiers ouvrages qu'il écrit contre l'ouvrage de Simone de Beauvoir, c'est le premier sexe. Pour moi, je ne veux pas le qualifier de fasciste, parce que c'est toute notre histoire qu'il est en train de revisiter et de révisionner au profit de l'extrême droite. Pour quelle raison, lorsqu'il vient, on n'a pas simplement comme objectif, nous les femmes, de venir manifester contre les propos. En plus, on aurait peut-être la chance de voir qu'on ne serait pas complètement à porte-à-faux par rapport à ce qui plaît aux médias. Nous, en tant que femmes, nous refusons d'entendre à Genève les propos que Zemmour tient sur la question des femmes. Merci beaucoup. Merci. Et là, à l'occasion de ces manifestations-là, en se faisant sur les idées complotistes, ils ont réussi
à se construire, à reprendre une place dans les mobilisations et avoir un certain égo. Et la politique que du coup on a menée, et qui je pense devrait être discutée de manière un peu plus générale, pas juste sur le pass sanitaire, mais sur quelles tâches sont les nôtres, c'est dans ces manifestations-là, à travers notamment l'interrogat contre l'extrême droite, à travers les liens qu'on a pu tisser dans les précédents mouvements sociaux, et j'essaye de faire vite pour circonscrire mon propos, de mener des cortèges contre l'extrême droite, contre le pass sanitaire dans ces manifestations-là, qui regroupaient des bibliothécaires en grève, qui regroupaient des personnels soignants et soignantes en lutte et en grève contre le pass sanitaire, les sanctions en fait, et les surcharges de travail que ça leur imposait. Et ces deux choses-là, elles ont posé deux problèmes. Le premier, c'est que ça a posé directement l'impossibilité en fait, de compter sur des alliances avec la France Insoumise, avec le Parti Communiste Français ou avec Europe Écologie Les Verts, pour la simple et bonne raison qu'à Grenoble, c'est eux qui gèrent la mairie. Ça a été eux les premiers à sanctionner les bibliothécaires en grève contre l'application de ces nouvelles mesures, à convoquer, à réprimer, à menacer de sanctions administratives. Et on voit bien qu'en fait, leur idée selon laquelle le capitalisme et les jours heureux, ce serait compatible. Ils n'arrivent même pas à la mettre en application dans une mairie et ils se retrouvent déjà à réprimer. Et la deuxième, c'est qu'on a besoin d'organisations révolutionnaires pour pointer des perspectives qui soient celles de notre camp social, qui soient des perspectives d'indépendance de classe et comment est-ce qu'on s'organise pour en venir avec le système capitaliste. Et pour ça, on ne pourra compter que sur notre propre force dans les mobilisations, comme lorsqu'il faut le dire à l'occasion des élections ou de moments où il faut discuter de quelle politique on mène pour notre camp. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être pas. On a dit la dernière question, mais on peut essayer une camarade femme peut-être qu'on veut s'exprimer si on n'a pas à chanter. Voilà, une dernière question. Oui. Avant que les banderoles tombent toutes. Navré, mais vous aurez la possibilité de pouvoir échanger pendant l'apéro. Et c'était lequel? C'était celui-là. Ça marche, ça? Ouais. Il faut les deux, je crois. En fait, c'est les deux dernières réponses aux deux dernières questions que j'ai notées. De toute façon, il faut qu'on arrête parce qu'on est beaucoup moins nombreux. Et puis, vous avez vu, les banderoles tombent. Et en fait, ça veut dire que c'est l'heure, quoi. C'est comme ça. Et donc, il faut qu'on arrête. Et alors, les deux questions que j'ai notées, c'est le RIC. Et puis, donc, la dernière question sur les recettes. Les recettes, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut le faire pour arriver à construire une gauche qui tient vraiment, enfin, qui ne s'embourgeoise pas, qui ne se bureaucratise pas et puis qui ne finit pas par trahir. Donc sur le RIC, on est pour le RIC, enfin la revendication du RIC, c'est vrai que c'était mise en avant par le mouvement des Gilets jaunes, l'idée qu'il faut que la population puisse donner un avis sur des lois et pouvoir même soit les défendre, soit les combattre. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans le système politique suisse, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu une forme de RIC, ça ne s'appelle pas comme ça, mais... Alors donc du coup on est pour parce que plus, à la limite, plus la population est amenée à donner un avis, plus ça paraît démocratique et plus ça paraît utile. Mais après, on voit toutes les limites quand même. Parce qu'en fait, la question de la démocratie, ce n'est pas juste voter ou juste donner un avis, c'est aussi créer des cadres où la population, ou dans les quartiers, ou dans les entreprises, ou un peu partout, on puisse se retrouver, discuter, et puis surtout au bout de la discussion, au bout de l'échange, quelque part un moyen de contrôle sur une décision et un moyen de pouvoir pour pouvoir mettre en place une décision qui est prise.
Et la démocratie, elle est pas juste, c'est pas juste une question d'institution politique, c'est aussi une question économique. Et on pense que ce qui manque surtout, c'est la démocratie au niveau de l'économie, c'est-à-dire en fait que les travailleurs, que la population, elle ait un contrôle sur son travail, sur les entreprises, sur les richesses qui sont produites. Et là, c'est un vrai problème démocratique qui nous est posé. Et là, il n'est pas résolu par le RIC, il est résolu par la remise en question de la propriété privée, du pouvoir patronal, du pouvoir des capitalistes. Donc du coup, il faut arriver à discuter d'institutions démocratiques qui permettent à la population de se retrouver, de discuter, d'échanger. Nous, par exemple, dans les municipales, on défend l'idée de conseil de quartier, hein, où la population se retrouve dans les quartiers. Ce qui a été un peu mis en pratique, ça s'appelait la démocratie participative, c'était Porto Alegre et tout ça, une époque, là, en Amérique latine, où il y a eu des expériences comme ça, où une partie du budget de la municipalité était sous contrôle et sous décision de la population, ce qui était considéré comme les besoins un peu immédiats et tout ça. Mais tout ça, ce sont des avancées, on est pour, mais tout est très fragile et ça peut vite revenir en arrière. Et en fait, il n'y a jamais d'équilibre dans le système capitaliste. Ce qui peut être gagné à un moment donné peut se perdre très vite dès que le rapport de force n'est plus là. Et puis surtout, une petite victoire comme ça, ça peut devenir quelque chose de complètement artificiel. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à discuter du fond, enfin de voilà comment la population décide vraiment de ce qui la concerne. Là, en France, on a des projets écologiques, enfin anti-écologiques, ce qu'on appelle des projets nuisibles, néfastes. Il y avait l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y avait le barrage de Sivens, il y a le centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Et en fait, à chaque fois, c'est des collectivités territoriales qui, elles, sont élues, hein, des départements, des régions, des municipalités, qui mettent en place des projets pas que néfaste, mais contre l'avis de la population. Et quels moyens a la population pour contrer ces projets-là ? Et là, c'est vraiment un problème, c'est plus qu'un vote, là, c'est plus qu'un RIC, c'est vraiment une structuration de la société qui donnerait le pouvoir à la population de décider de ce qui la concerne directement, au moins autour de chez elle, dans ses quartiers, dans sa vie. Et ça, c'est pour ça que nous, on formule, on est en accord sur la question du RIC, dans le sens, ben, évidemment, quand ça semble plutôt aller dans le bon sens que la population vote. Mais voilà, il faut mesurer que le problème de fond, c'est qu'on est très loin d'une société démocratique et qui donne du pouvoir et du contrôle à la population. Bon, voilà, donc il faut arriver à discuter de tout, mais ça, c'est les débats qu'on a à avoir. Et plus on est mobilisé, ben, plus on affine aussi ce genre de réponse. Et l'autre réponse, enfin l'autre tentative de réponse, c'est sur comment faire pour que la gauche trahisse pas. C'est un peu ça le truc. Il n'y a pas de bouquin, c'est un peu comme une recette de cuisine là, qui dirait ben, avec tant d'ingrédients, on pourrait peut-être faire un outil politique qui tient la route et qui justement reste du côté de la population du début à la fin. On n'a pas connu ça encore, quoi. C'est vrai que l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire des luttes, c'est souvent l'histoire d'une certaine forme de dégénérescence et au bout du compte de reniement et de trahison. C'est pas systématique, c'est pas tout le temps comme ça. Les communards n'ont pas trahi, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. On ne sait pas. Mais c'est difficile parce qu'il y a des pressions sociales, parce que on imagine bien la complexité même d'un processus révolutionnaire. Même quand il y a des luttes, on n'a pas résolu tous les problèmes. C'est qu'après, il faut arriver à gérer la lutte. Il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle se renforce. Et il y a toujours des courants contraires. On ne sait pas. C'est des trucs, il y a des pratiques qui montrent que ben, il y a des dangers partout et qu'un parti de gauche, un parti au départ révolutionnaire peut devenir un parti contre-révolutionnaire. On a l'histoire du stalinisme, hein, la révolution russe. Bon voilà, il y a plein d'histoires comme ça qui montrent que ben, c'est très compliqué. Mais voilà, il n'y a pas de recette. Mais par contre, on peut se dire que plus c'est démocratique, en tout cas plus il y a de participation, plus la population est investie, plus il y a des gens qui sont dans la lutte et qui contrôlent leur propre lutte collectivement, c'est la seule garantie pour pas se faire avoir, quoi. Après c'est l'autogestion, enfin c'est tous ces outils là qu'on a entre les mains, qu'il faut que il y a la révolution espagnole qui a expérimenté pas mal de choses de ce côté là. Voilà, mais après, c'est vrai que dire qu'on a la recette, voilà, nous, quand on voit le parti qu'on construit, bon, le NPA, je ne sais pas comment ça se passe, la solidarité, mais quand on voit comment on s'engueule, des fois, on se dit, oh, putain, on est vraiment mauvais, quoi. Des fois, ça fait peur parce que voilà, c'est difficile. Mais il nous manque tout le temps l'énergie de la révolte, de la lutte, et c'est peut-être ça le vrai souffle, en fait. C'est quand on lit des bouquins, mais même, je parlais tout à l'heure des luttes. Le monde arabe, enfin les révolutions en Tunisie, enfin quand on lit des récits de ce moment-là, ou même quand on voit à Hong Kong, enfin partout,
c'est hyper stimulant parce que le temps d'une lutte, c'est hyper riche, quoi. C'est des moments où ça tient bien, où, parce qu'il y a une vigilance, parce qu'il y a une conscience politique qui s'aiguise. Même le mouvement des Gilets jaunes, c'était hyper chouette, c'était riche, il y avait des décisions. Des fois, ça partait un peu dans tous les sens, mais au moins, il y avait une énergie d'en bas. Et qui rassure, parce que justement, tant qu'elle n'est pas contrôlée par en haut, tant qu'elle n'est pas parasitée par des couches qui auraient intérêt à ce que ça se calme, ben là, c'est le problème de ça, c'est la force d'en bas qui est déterminante. Il est en train de tomber. Et ben, ça veut dire que c'est l'heure, hein.